Salut, bonjour. J'étais en train de manger quelques petites bricoles, des coquillettes, de l'ail, de l'oignon, des épices. C'était délicieux, mon chat adorait, il y avait un bout de poisson. Et je me mets, mais alors, quelle idée? Quelle idée? Je me mets à regarder une vidéo qui s'intitule CI Analysis and Assessment of Gateway Process, Declassified, Part 1. Parce qu'il y aura Part 2 et Part 3. C'est un document qui nous vient donc de la CIA. C'est une analyse de la CIA et des déclarations à propos du Gateway Process qu'on pourrait traduire peut-être par processus passerelle. De quoi s'agit-il? Je vais vous dire ça tout de suite. C'est un document que ce monsieur a découvert, mais là, vous ne voyez rien du tout, donc je vais vous le mettre, vous, en grand écran, enfin, en petit écran, mais enfin, moi, je vais disparaître. Ciao! Et je vais vous lire d'ailleurs à haute voix l'adresse. Je la lis à haute voix parce que je pense que il y a peut-être des gens qui sont malvoyants. Bon, il y aura l'adresse en dessous. Hein. Et donc, normalement, avec un clavier braille, on peut y accéder, mais on ne sait jamais. Et que je pense que les aveugles et malvoyants vont être intéressés, peuvent être intéressés par ce genre de documents, voire d'activités. Ils ne vont pas être gênés, normalement, s'ils la pratiquent. À mon avis. Donc l'adresse https://forward, hein, vous savez, slash qui penche vers la droite, en haut à droite. Donc /LIBERA-RY/RUADING-ROOM/document/CIA-CIA-RDP96-00781-001-7002-001-6-5. Alors, document s'écrit comme en français. Et que nous dit-il? Mais il nous dit que c'est quelque chose qui est tombé sous son radar. Released by the CIA. Ça a été délivré par la CIA. Classified, a document that was written in June of 1983 and then declassified. C'est un document qui a été écrit en juin 1983. September of 2003, 20 years later. Et qui a été déclassifié en 2003, 20 ans plus tard. En juin 2003, 20 ans plus tard, ou en juillet, peut-être, je ne sais plus. Quite an amazing document. It's 29 pages of... C'est 29 pages d'un document plutôt étonnant. Of stuff that will answer so many questions for so many people. Ce sont des éléments qui vont répondre à tellement de questions pour tellement de gens. Right now, in these confusing times. Now, this is... En ces temps confus. It's actually on the CIA website, and you can download... Et c'est quelque chose que vous pouvez trouver sur le site de la CIA et que vous pouvez télécharger. Encore, il y a quelques années, ils ont déclassifié comme ça des dizaines de milliers de documents. Il y a tellement de documents que ça m'a enivré. J'en ai fait deux, trois et j'ai arrêté. Il y en a trop. On veut que ça, on cherche que ça, mais il y en a trop, d'une part. Et d'autre part, eh bien, écoutez, moi, j'aimerais bien avoir des confirmations. Donc là, je vais vous le donner parce que ça traite de Remote View et qu'il s'avère que c'est la CIA qui a essayé de militariser le Remote View. Mais évidemment, militariser le Remote View, ça veut dire quoi? Que des militaires emploient des Remote Viewers? Non. Ça veut dire que on transforme le cerveau d'un homme en arme. Oh ben la CIA, hein. Si on peut en faire une arme, disons que c'est un outil, après tout dépend de l'intention.
myself, and I've prompted some of my friends to actually take a look at it, and can't really make heads or tails of it because it is a very complex document, but it's so well. C'est un document très complexe, mais it was written qui va quand même un petit peu nous détailler. By a lieutenant commander. Il devrait se méfier, il y a un espion derrière lui. Wayne McDonald. C'est le lieutenant commandant Wayne McDonald. Don't know why we can't find anything about it. Et il ne sait pas pourquoi on ne peut rien trouver d'autre sur lui. Il était dans l'armée américaine et il a disparu. Ou... Il a fait sûrement partie de ce programme complet qui est décrit ici. C'est un grand auteur. Et ce concept est très complexe. Ce qu'il va nous décrire, c'est que le département des armées, le ministère peut-être on dira en France, non, du gouvernement américain, had a group called the Army Intelligence and Security Command. Avait un groupe appelé le groupe de sécurité et de commande des renseignements de l'armée, which basically attempted to weaponize, qui a essayé de transformer en armes, remote viewing, le remote viewing, body experiences, and les expériences hors du corps, OBE, out of body experiences. C'est presque comme le rêve lucide, hein, mais pas tout à fait. Time travel. Et le voyage temporel. This is the United States Army. Okay, so this isn't some... Là, ça vient quand même du gouvernement, enfin de l'armée du gouvernement américain. On m'a compris quoi. Tinfoil hat wearing kind of stuff, and what they did in their extensive research into finding out how to do it. Et lors de leur recherche, ce qu'ils ont réussi à faire, c'est déterminer comment est-ce que l'on fait ça et comment le militariser. Et ils en ont tiré de gros bénéfices. Enfin, en tout cas, trouver les moyens d'en tirer des bons bénéfices. Ils ont utilisé des remote viewers qui arrivent à déterminer l'emplacement de cibles. As many have described, that's how they found Saddam Hussein. Il y en a beaucoup qui ont dit que c'est comme ça qu'ils ont trouvé Saddam Hussein. Psychic named Ingo Swann. Ce qui impliquait Ingo Swann. Ingo Swann, c'est quasiment, on va dire, le père du remote view officiel par l'armée américaine, enfin par les Américains. Ingo Swann était aussi dans l'église de Scientologie, me semble-t-il, mais malgré tout, il y a moyen d'être dans l'église de Scientologie et d'être normal, quoi. Et Ingo Swann aussi... était peut-être un petit peu sous-produit de temps en temps, n'est-ce pas? Mais ça ne devait pas gêner son travail. Hein. This group, which they called, sinon, il l'aurait viré. De toute façon, c'était dans cet état-là, a priori, que... Enfin bon, on s'en fout. Allez. It was called Operation Stargate, or Project Stargate. Et donc, il s'occupait du projet Stargate, Porte des Étoiles. And Ingo Swann was very, very heavily studied because he was able to prove remote viewing. Ben, Ingo Swann a réussi à prouver l'efficacité du remote viewing in a number of university studies. Dans un certain nombre d'études d'universitaires. And also taught how to use it. So I probably. Et il a aussi dit comment on le faisait, comment on pratiquait. I'm going to break this video up into a number of different pieces because. Il va séparer cette vidéo en plusieurs morceaux parce que il y en a gros. There's so much to explain here. Il y a tellement à expliquer. And I want you to understand all of it because. Il aimerait bien que l'on comprenne tout. Ce qu'il va nous expliquer. Bon, encore, moi aussi, j'aimerais bien que vous compreniez tout ce que je vais vous traduire. Alors, je vais tâcher d'être sérieux et pas faire trop l'encart. Hein. Comme ça, on reste sur le fil. Time travel, out-of-body experience. Donc, on va parler de voyage temporel, de sortie du corps, d'expérience hors du corps. This is our ability to cross dimensions. La capacité de passer dans les dimensions, dans d'autres dimensions. And how the United States Army actually used this. Et de quelle manière est-ce que l'armée américaine utilise ça as an operational tool. I think what's comme outil opérationnel. Really most interesting about this in a tiny bit comical is that the United States Army has opined that one person who can achieve with l'armée américaine a déterminé qu'un pour cent qui pouvait réaliser is described in this article as Hemi-Sync. Ce qui est décrit dans cet article comme étant l'hémisync. Hémisync, c'est la synchronisation des hémisphères cérébrales. Donc, à l'occasion, il nous signale qu'il faut regarder toutes ces vidéos jusqu'au bout avant de pouvoir faire un jugement. Tâchez d'aller jusqu'au bout avant d'émettre quelques critiques. C'est compris? Sinon, au coin. Je déconne. Really quite mind-blowing. Parce que tout ceci est vraiment époustouflant. But one thing that the United States Army has opined was is that one person who can achieve hemi-syncing. Ce qui a été déterminé par l'armée américaine,
De temps en temps, je vais couper un petit peu dans les phrases parce qu'on sait de quoi on parle. Donc, ce qui a été déterminé, c'est que quelqu'un qui arrive à performer, à réaliser la synchronisation hémisphérique peut quasiment détruire une armée entière. Oh, oui, alors c'est ballot aussi, vous voyez quoi. Et ça, juste par le biais de la méditation. Donc, c'est un sujet qui intéresse beaucoup la situation des Uyghurs, des Ouïghours. They're Muslims. They're kind of from Tibet, West. Ce sont des musulmans de l'ouest du Tibet. Western China, and right now there's près de la frontière chinoise, quoi. Ouais, on va continuer. Je sais pas s'ils considèrent que la Chine a inclus ou pas le Tibet, mais bon. Quite a civil human rights problem going on because the Uyghurs. Il y a sûrement un petit problème de droits de l'homme. Are being victims of genocide. Parce que les Ouïghours sont victimes de génocide. Some say that over a million of them have been. Et certains disent qu'il y en a des millions d'entre eux qui sont maintenus dans des camps et même tués. Il y a même du trafic d'organes à partir de leurs organes. Enfin, du trafic, récupération d'organes. Je ne sais pas si j'ai besoin de préciser ça, mais enfin, j'en avais parlé dans une autre vidéo aussi à propos de ceux qui pratiquaient le Falun Gong, qui est aussi une sorte de christianisme mixé avec de la méditation. Et les gars et les femmes, hein, enfin, les praticiens, ont une telle forme physique que finalement leurs organes sont très recherchés. Mais bon, ça c'est le deuxième effet qui se coule, quoi. Le premier, c'est qu'a priori, dans cet état-là, ces personnes-là sont dangereuses pour les entités, les États qui ont des prétentions fascistes. Many over a million are being put into labor camps. Yeah. Donc des milliers d'entre eux sont mis dans des camps de travail. That's something I'll probably talk about later. But c'est peut-être quelque chose dont on parlera un peu plus tard. The Chinese government has said is that the Uyghurs. Quelque chose que le gouvernement chinois a dit, c'est que les Ouïghours are a greater threat to China. Sont une plus grande menace pour la Chine. Better than the United States and Russia combined. Que les États-Unis et la Russie combinés. En cas, quand même, en cas. En Russie aussi, il y a du remote view, il y a de la méditation, il y a des pointures. Aux États-Unis, je suis bodorque évidemment aussi. Mais enfin, j'ai pas mal confiance dans les Russes pour ne jamais avoir lâché l'affaire. Là. Ils sont moins fait massacrer par, on va dire, les dégâts des religions. Donc, ils ont gardé un lien plus fort avec ces pratiques ancestrales qui datent du temps des chamans, des sorciers, comme Castaneda. Hein, il en est à sa 17 ou 27e génération dans la lignée de sorciers Yaki. Il dit que ça fait 17 000 ans en fait que sa pratique a été instaurée, hein, Castaneda, hein. Enfin, Don Juan Matus, M-A-T-U-S. Mais le bon. So obviously, they put this massive military base right next to the old town of Kashgar. Donc ils ont mis une base militaire massive juste à côté. Kashgar, vers Ashgar, auditor, the Uyghurs. These are just, de façon à contrôler et surveiller les Ouïghours, it's very gentle, you know, Muslim people, qui sont des gens, des musulmans très pacifiques. Right now, Muslim, that are, you know, they shave their heads, they traditionally. Ils se rasent le crâne et ils portent les doges. Hats, the men are blacksmiths and the women weave silks and they trade their silks in this open in Silk Road. So, et donc ils sont sur aussi, ils sont sur la route de la soie. Sur le trajet de la route de la soie. Donc ça, c'est un mauvais plan, quoi. C'est comme quand une tribu habite sur un champ pétrolifère ou une mine d'or ou un truc dans le genre. On va trouver toutes les raisons pour les en faire partir, voire les exterminer. Why are they a threat? Why are people who meditate a threat? Et pourquoi est-ce que des gens qui méditeraient seraient une menace? So big that the United States Army actually put together. Une telle menace que l'armée américaine a mis en place une unité qu'on vient de nommer, donc c'est Security et Commande, hein, je l'ai dit tout à l'heure. Je vais peut-être un peu vite là, mais bon, c'est pas très grave, on l'a déjà dit tout à l'heure. A little bit of background, a fascinating background. De toute façon, vous aurez les sources de la vidéo. Watch the movie starring George Clooney called The Man. Donc, regardez donc ce film intitulé L'homme qui fixait les chèvres. Avec George Clooney, The Man Who Stared at Goats. Je me bouge un petit peu, là.
Donc, tu vas nous mettre un petit extrait à l'instant là. Regardez bien. Based on this exact operational department. C'est basé d'ailleurs sur les opérations propres à ce gouvernement, à ce département, à cette section. Where the United States Army got together a bunch of people with psychic powers and they... qui utilisaient des gens avec des pouvoirs psychiques. Trained them to weapons. Et qui les entraînaient à se transformer en armes, their powers, à transformer leur pouvoir en armes. The reason why the movie is called Men of Scarecrows is simply because one of... Excusez-moi. Donc, ils étaient en train d'entraîner ces psychiques, hein, donc ces médiums psychiques. Is to concentrate on a goat, yeah. Ils se concentraient sur une chèvre. Stop its heart from being, yeah. Et until it falls over. And there were many... jusqu'à ce qu'elle tombe, quoi. Other things that, elle s'écroule, quoi. Hein. Normalement, là, arrêt cardiaque. Hein. Paf. United States Army did in this intelligence and security command. Bon, c'est un film, ça. Mais, jusqu'à quel point est-ce qu'Hollywood ne fait pas juste que des reportages politiquement corrigés par la suite? Ils peuvent aller beaucoup plus loin. En fait, si on regardait DDD, David, pas David, Duan Dietrich, je ne sais plus comment, Duan Dietrich, c'était un gars qui avait comme poste dans l'armée de vérifier tous les documents avant de les détruire. Donc, il a lu tous les documents et maintenant il parle. Enfin, c'était il y a quelques années. Lui, il a parlé de sorcellerie efficace. Hein. Ben, c'est-à-dire qu'il y avait des équipes qui étaient des soldats nocturnes, on va dire, et qui, dans l'astral, allaient tuer des gens. Vraiment. Et ils s'étaient même associés. Enfin, ça, c'est Michael Aquino qui s'était associé avec une tribu particulière asiatique de petits personnages, peut-être des îles Handeman. Et comment dire, dans un des Sherlock Holmes, il y a intervention d'un personnage comme ça, d'un petit bonhomme. Ils s'en servent là pour faire des cambriolages, mais bon, histoire de dire qu'il y a des tribus particulières et dont les gens ont parfois une génétique peut-être, ou en tout cas des habitudes qui les prédisposent à être efficaces. Bon. Et voilà, blablabla. Et donc Michael Aquino, lui, voilà, il en a informé certains à ça, et il servait d'ailleurs de leur religion, de leur pratique. Et il paraît, hein, il paraît. Bon. Michael Aquino, je ne sais pas s'il est encore vivant, mais c'est quand même le fondateur du Temple de Seth, me semble-t-il. Enfin, c'est-à-dire, il a introduit officiellement le satanisme dans l'armée américaine, quoi, quelque part, hein, ce que j'avais traduit. Reprenons. Otherwise known as Stargate. Donc, on parle aussi donc, de Porte des Étoiles. Let's go to this document, it's called Subject Analysis. Donc, on va attaquer le document, là. Assessment of the Gateway Process. Now, what is the Gateway Process? The Gateway Process is something that was invented by the Monroe Institute. Donc, l'Institut Monroe a inventé ce processus de passerelle, Gateway Process. Be able to train people. Ils entraînaient des gens how to do a thing called hemisyncing. À pratiquer la synchronisation hemisphérique. And I'll explain hemisyncing in the... Il va expliquer ça. Et il y a aussi des musiques particulièrement adaptées à ça, où vous mettez les écouteurs et la différence de fréquence, finalement, entre vos deux oreilles provoque au centre du crâne une fréquence hertzienne qui va être adaptée à la synchronisation hémisphérique. Ça se trouve, hein, ça se vend, hein, vous pouvez en acheter hein, des disques comme ça. Par contre, maintenant, il faut vraiment être sûr qu'il n'y a pas d'autres subliminales là-dedans, hein, d'autres sons subliminaux. Hein. Mais bon, surtout pour YouTube ou sur le net, quand vous trouvez ça, ça peut être pollué des fois, hein, tout ça. Donc, allez-y au feeling, testez au pendule si ça vaut la peine ou pas, si c'est sain ou pas. Of course, of this video or the other videos, hemisyncing is the ability for the two hemispheres of the brain to actually lock together in step. Donc, cette synchronisation hémisphérique, c'est la capacité pour ces deux hémisphères de travailler ensemble, finalement. So that the frequency of their wavelengths is not... De manière à ce que la fréquence des longueurs d'onde, not only the same frequency, but the amplitudes match. They're... C'est pas non seulement la même fréquence, mais en plus, leurs amplitudes sont correspondantes. Et elles sont en phase, en quart, en plus, 1, 6, 18. Le nombre d'or est important là-dedans. Eh oui, encore une fois, le nombre d'or.
Ah, sacré Fibonacci, hein, mais Fibonacci spécial, hein, parce que on se sert même de la séquence de Fibonacci dans les pratiques noires de mages noirs comme Tim Riphat. On y reviendra peut-être un jour. Reprenons. That happens. It's similar to laser. What happens to laser? C'est à peu près le même fonctionnement que pour un laser Versus an incandescent light bulb. par rapport à une lampe normale. Lorsque tous les photons sont en phase, si on peut dire, la lumière est monochromique et focalisée, Incandescent light bulb is extremely et d'autant plus forte. inefficient because it emits light in all different frequencies and it also burns off a lot of heat due to the filament. But in laser becomes so powerful it can actually cut through diamonds. And the reason that is because the laser Et donc le laser, qui devient si fort qu'il peut même couper des diamants. is not only Ah, je ne savais pas ça, moi. in phase. Il y en a des choses que je ne sais pas, hein. Je sais. Reprenons. All wavelengths together are in phase, but the frequency matches. So what you basically have Donc, quand on a toutes les longueurs d'onde en phase avec les fréquences qui correspondent, is one wavelength. Yeah. ça correspond à finalement plus qu'une seule longueur d'onde, mais avec une amplitude incroyable. And, intuitively, as people, we know the power of Une intensité, si vous préférez, une puissance. Bon, ce n'est pas le mot. Of the, being in phase in synchronization, for example. Donc, c'est l'importance d'être en phase dans la synchronisation, en phase. The gesture of the common handshake. Now, this may be something that you just got people are shaking hands, but why do they shake hands? Et ça rappelle le fait de serrer la main. People shake hands to show an accord. Les gens se serrent la main pour montrer un accord entre eux. So two people get together and say, we make a deal. We shook. Ils font un deal. Got it. What happens is, Top là. Two people. On cache plus, on cache plus. Avant, ça s'y pisait, mais bon, maintenant, on cache plus. On crache plus et tout le monde crache sur le contrat, par contre. Mais bon, c'est pas le même sujet. On reprend. Donc, quand ils se secouent la main, ils émettent une onde en synchronisée. One person typically de part et d'autre. Does not pump faster than the other, unless it might be Donald Trump. One, you know. Et les gens ne font pas un mouvement très différent l'un de l'autre. Bon, peut-être à part Donald Trump, a-t-il dit. They basically gesture that they're in synchronization with each other, and they both know when to let go. So this is the symbolic man-made knowing that all things powerful in the universe are waves that are in synchronization. Considérons que dans l'univers, toutes les choses sont des ondes qui peuvent être synchronisées. Non seulement en fréquence, mais au niveau de la phase, être en phase aussi. De manière à doubler les amplitudes, en fait. Donc, l'hémisync, on va dire, hein, plus brièvement, c'est le fait d'avoir les deux hémisphères qui sont synchronisés à l'unisson. Ce qui, finalement, double l'amplitude de la longueur d'onde. L'amplitude de la longueur d'onde, c'est donc sa puissance. Je pense que c'est comme ça qu'on peut le traduire. Pour vous dire un exemple à la PAM, hein, on va tracer la sinusoïde d'un courant en 220 volts, et il va être comme ça, et en 240 volts, il va être comme ça, mais à la même fréquence, toujours à 60 Hz. D'accord? J'ai doublé là. Bon, 100 volts comme ça, 200 volts le double, 300 volts le triple. D'accord? Si vous faites trois fois cette onde et qu'elle est synchronisée et en phase, vous pouvez tripler votre amplitude. Si elles ne sont pas en phase, elles peuvent même s'annuler l'une l'autre. Comment on pourrait faire ça? Non, mais là, enfin, voilà. C'est pas facile, ça. Je mais c'est pas facile. On reprend. For example, that you're 180 degrees out of phase. Okay? So parce que si vous êtes à 180 degrés en opposition de phase, donc il explique ce que je viens de vous dire. Mais il le fait beaucoup mieux, lui. C'est de cette manière que fonctionne le système de réduction de bruit dans les avec un casque. And the headphone takes that and emits a sound that is out of phase with that. Donc, le système fait en sorte qu'il prend un bruit et il en émet un autre, le même, mais en opposition de phase. Et le résultat est
une amplitude nulle. So that the sound is blocked by a phase that's 180 degrees. Ah, c'est pas facile. Lui aussi, il a un problème. Got a phase, but what's happening is the flat line. Et il est à jeun. Oh là là, c'est un truc sérieux là. Pam, on arrête de rire un peu quand même. That flat line is going to be extremely important when this document talks about out-of-body experiences and time. Cette ligne plate va être très importante dans ce document qui parle donc d'expérience hors du corps, OBE, de voyage temporel. Donc, parce que c'est la capacité, il a dit ça quand même, pour l'esprit, pour le cœur, de travailler ensemble. Est-ce qu'il a bien dit ça? Out-of-body experiences and time travel, because it's that ability for the mind and the heart to go. Ouais. De fonctionner à l'unisson. Alors, ça, c'est de la cohérence cardiaque aussi, qu'on appelle. Ah, mais quand vous pratiquez ça, vous augmentez votre longévité, vous vivez mieux, en bonne santé et tout ça, puis vous avez une grande clarté et une puissance de volonté quelque part, hein, vous allez voir. Mais donc, quand vous pratiquez ça là-haut, vous avez le cœur aussi, dont... L'ECG, l'électrocardiogramme, commence à montrer des courbes où vous allez retrouver le 1-6-18, des proportions très intéressantes, en harmonie les unes avec les autres. Donc. Approach that flat line in order for us to have these out-of-body experiences. Enfin, d'arriver à faire cette expérience hors du corps, il faut approcher de cette ligne plate. Which is basically just vibrational awareness and talks about whole... A priori. Grounds, it's quite... Donc là, on n'est pas dans l'histoire de doubler la fréquence. Là, on l'annule. Doubler l'amplitude, pardon. On l'annule. Now, am I saying that this is real? I don't know. Est-ce qu'il pense que c'est vrai? Il ne sait pas. Maybe. Est-ce que c'est sérieux? Il ne sait pas. Vas-y. Oui, moi, je te le dis, c'est sérieux. Et vous pouvez aussi voir les vidéos de Dan Winter, qui, lui, vend des appareils de feedback. De façon à ce que vous puissiez vous entraîner à la maison. Parce que qu'est-ce qui se passe? Quand on vous dit de passer en alpha et que vous faites des méditations pour arriver en alpha, le problème, c'est que vous ne savez pas vraiment ce que vous devez faire, dans quel état vous devez être pour cet état alpha. Tandis que si vous mettez dans une certaine position, que vous émettez une certaine pensée, vous êtes dans une certaine fréquence et que vous avez un retour, vous pouvez diriger. Si plus vous approchez de l'état alpha, par exemple, plus vous avez un retour sonore. Vous êtes là en train de travailler et puis quand vous arrivez à votre... Vous y êtes. Donc, quand vous êtes en train de moduler votre... conscience, si on peut dire. Vous avez un guide. Allez. But I do know that this is what the United States Army says, what the United States Army had classified for many years. Why they even released it, I don't know why. But anyway, so the gateway problem. Alors pourquoi est-ce qu'ils l'ont déclassifié? Il ne sait pas vraiment. Mais en tout cas, ils ont travaillé dessus et puis ils l'avaient passé en top secret. This was invented by this place called the Monroe Institute. Et donc tout ça, ça a été développé par l'Institut Monroe. Et donc vous pouvez acheter donc ces musiques d'Emisync. Chez l'Institut Monroe. Et j'espère qu'ils ne nous ont pas mis des bacs d'or subliminales dedans. C'est ça que je voulais dire tout à l'heure. Eux ou les autres, hein, sur le net. Ah, on ne sait jamais, vous savez. Ah ouais, l'Institut Monroe, la CIA, projet Paperclip, la crème des Allemands, l'eugénisme, nous les meilleurs, les autres rien du tout. Hein? Hein, vous voyez ce que je veux dire? Si on a peut-être, si ça se trouve, ça se vend comme ça, et puis ils vendent à côté, pour ceux qui sont dans leur club, une petite clé particulière qui rectifie la chose. On ne sait jamais. Hein. Moi, je suis peut-être un peu tordu, mais là, on est dans un monde de tordu, de chez tordu, quoi. Enfin, hein, sans offense, hein. Sans offense, mais ça a rarement amené la paix dans le monde pour l'instant. Bon, malheureusement. On y va. The one thing that I have that I think is kind of silly about this document is that the Monroe Institute puts out a number of tapes that they say will allow. Bon, justement, l'Institut Monroe a produit un certain nombre de cassettes. Allow you to enter this hemisyncing technique, which. Pour vous améliorer, pour vous aider à améliorer cette technique d'hémisynchronisation. Is by and large not possible because you have to be trained in order to do it. In fact, in this document itself. Et il faut être entraîné pour y arriver. It says that the person who has practiced Zen meditation.
Donc, il y a du texte là qui est diffusé à l'écran. Alors, je ne sais pas s'il va le lire après. Si jamais il ne le lisait pas, je referai une vidéo en le lisant uniquement. Mais en fait, on peut aller le chercher sur le net et comme ça, on est sûr de tout lire. Hein. Alors, quelqu'un qui a travaillé ça pendant 20 ans ou plus peut aisément accéder à cet état de synchronisation hémisphérique. En cas, 20 ans. 20 ans. Donc, je veux dire, là, c'est pour ça que... C'est pour ça que je suis un petit peu irrité par les gens qui ont fait 6 mois de méditation au total dans leur vie et qui disent d'un coup, je pense positif et je crée mon avenir. Waouh, waouh, waouh. Au bout de 20 ans, oui, au bout d'une vie de chaman, au bout d'une vie de mage, hein, qu'un entraînement jour et nuit. C'est sec, hein, et on se rappelle que sec, c'est loin d'être mouillé, mais humide, c'est pas sec. Yeah. Long, difficile, ardu, pénible, isolé, etc. etc. Hein. Et puis, il ne faut pas s'arrêter, sinon on chute. C'est difficile de reprendre, en plus. C'est putain de difficile. On reprend. I think of something that's been happening to me for a really long time. I didn't even know how to describe it until this document told me what was happening to me when I would... Donc, il a un peu vécu cette expérience et avant de tomber sur ce document, il avait du mal à pouvoir exprimer et analyser ce qui lui arrivait. Do these interesting things that would allow me to see into the future or... Ces choses intéressantes qui lui permettaient de voir dans le futur. Big trends or create... D'être en transe. Multi-million dollar businesses by... De créer des business avec des revenus multimillionnaires. An intuitive ability. Ben, si ça se trouve, c'est juste son bureau de travail là, qu'on voit dans sa... derrière lui. Donc, vous imaginez la taille de la chambre. N'importe quoi. Hein. J'ai lu que vous. Reprenons. It's not really just this magical, hocus-pocus thing. Mais ce n'est pas vraiment juste un truc d'illusionniste. La magie, mais d'illusionniste. Mais ça a vraiment un effet physique. Kind of component to it, that il y a une composante d'effet physique dedans, de réalisme, quoi. Is, something that you can replicate. So, et d'ailleurs, c'est quelque chose que vous pouvez reproduire. Let's start off. Maybe that's where we'll end that video. Et commençons, et c'est là qu'il va changer de vidéo. Voilà, c'est la deuxième partie. Donc, il va commencer par l'introduction de cette lettre. Donc, c'est le lieutenant-commandant McDonald qui écrit à son chef en lui expliquant ce processus passerelle. Comment est-ce qu'on peut avoir une expérience hors du corps, faire du voyage temporel et de la possibilité de passer dans les dimensions parallèles. Now, when he introduces the task of this product, quand il a introduit le but de cette activité, basically, he's trying to show how to weaponize, et qu'il a essayé de montrer comment est-ce qu'on pouvait militariser, c'est-à-dire transformer en arme cette pratique, la synchronisation hémisphérique. He comes up with this really great quote. It was from Niels Bohr's son. Et il vient avec cette... citation de Niels Bohr, chimiste, physicien et chimiste. Bohr was the man who actually conceptualized the atom. C'est la personne qui avait conceptualisé l'atome. That's why it's called the Bohr model. Mais il s'était un peu planté, enfin il avait dessiné, mais bon. The atom, being that it has particle and wave properties, but, c'était dans la définition de l'atome entre sa qualité de particules et d'ondes. His son, he said, Niels Bohr, the renowned physicist, once responded to his son's complaints about the obtuse nature of certain concepts in physics by saying, "You are not thinking, you are..." Et il disait, vous n'êtes pas en train de penser, vous êtes juste à peine logique. Et donc ça, c'est l'introduction à la méthode. First part of it, I believe it starts on page Demi-sync. Five, is the introduction to brain hemisphere synchronization. Donc c'est une introduction à la synchronisation des hémisphères cérébral, otherwise known as hemisyncing. Now, what they do is they talk about the characteristics of the left brain and the right brain, the hemispheres, as and what their properties are, and I completely applaud that. And how to get the two to sync. One thing that they actually did miss was the discussion of the pineal gland, which. Une des choses qu'ils ont loupé, c'est une discussion à propos de la glande pinéale. Which exists between the two hemispheres. The pineal gland is a very. Qui est placé juste entre les deux hémisphères. La pinéale, elle est là.
et un petit peu au-dessus en avant de l'oreille là. Vous croisez ces deux endroits et paf, vous tombez sur la pinéale. Very interesting, kind of an almond-sized gland. C'est une glande qui aurait la taille d'un oignon pour lui. Dis donc, si la pinéale cause comme un oignon, c'est un anunnaki, c'est un crâne allongé là. Non. Elle est toute petite. Elle a la taille d'une amande. La taille d'une amande. Je ne pense même pas que la pinéale ait la taille d'un celle-là. Je pense qu'elle en a la moitié, je pense. Si je me rappelle mes cours. Mais en fait, ça dépend. Ça dépend de vous. Si vous pratiquez, ça gonfle, ça grandit. Si vous n'en servez plus, et les personnes âgées, ou quand elle est calcifiée, elle se rétrécit et puis elle est toute calcifiée autour. Encore, pourquoi est-ce qu'elle est calcifiée? C'est un phénomène de protection du cerveau qui récupère tous les métaux lourds, par exemple, et va les stocker à l'extérieur. Seulement en étant à l'extérieur, mais finalement, elle est dans une gangue. Et la pinéale est quand même appelée aussi le troisième œil. Et oui, il y a des cellules visuelles à l'intérieur. Donc, c'est assez bizarre, hein, un œil à l'intérieur qui n'est pas fait pour voir à l'extérieur, donc, Et, reprenons. Ah oui, quand même un petit mot. Donc, il peut y avoir même une fréquence sonore qui explose cette coque de calcium et aluminium et tout ce qu'on voudra autour, n'est-ce pas? Et il y a aussi donc, des régimes alimentaires, hein, donc nettoyer votre pinéale, c'est un bon début, hein. Because it actually has photoreceptors. Now, why would something? Alors, pourquoi est-ce que cette glande pinéale a des photorécepteurs? Between two hemispheres of the brain, in an area so dark that the sun will never shine, have photoreceptors. And the reason? Pourquoi est-ce qu'un endroit où le soleil ne brille jamais a des photorécepteurs? C'est pas le seul endroit où le soleil ne brille jamais, mais bon. c'est la pinéale. Excusez-moi. It is because there's so many different Hindu religions, or you know. Il y a tellement de religions hindoues et de pratiques de méditation qui stimulent le troisième œil. Qui a la capacité de voir des informations en longueur d'onde qui sont en dehors de la fréquence visuelle visible, enfin de la fréquence lumineuse visible. Now the eyes and the ears are extremely limited. Is parce qu'en fait les yeux et les oreilles sont très limités. To what they can capture. Oui, 3% de la bande de fréquence électromagnétique visible. La bande électromagnétique visible, c'est à peine 3% de ce qu'on a réussi à analyser. Oui, parce que je pense que ça va encore beaucoup plus loin dans les deux sens, moi. Mais c'est un autre sujet. The ear can only hear between 20. Les oreilles ne peuvent entendre qu'entre 20 Hz et 20 000. 20 000 quand vous êtes tout jeune, bébé et tout ça. Hertz to 20,000 Hertz. And so it can't hear really low vibrations. It can't hear higher frequency. En dessous de 20 Hz, vous n'entendez pas. Au-dessus de 20 000, vous n'entendez plus. Moi, à mon âge, au-dessus de 14 000, on n'entend plus. Enfin, c'est peut-être tombé. Et puis, en fonction de ce que vous avez pratiqué, si vous avez été au concert, collé la tête contre les enceintes, si vous avez été dans l'artillerie, vous avez aussi des petites bandes de fréquences au milieu qui peuvent être maintenant manquantes. Quand vous entendez une explosion et qu'après vous avez les oreilles qui sifflent, eh bien écoutez bien cette fréquence parce que c'est la dernière fois que vous l'entendez. Pardon, c'est pas drôle. c'est cruel. Écoutez bien cette fréquence parce que c'est la dernière fois que vous l'entendez, quoi. Ouais, genre. Mais ce sont des fils, des cils vibratoires qui, une fois qu'ils sont décollés, ne se régénèrent pas. Alors peut-être que ça se régénère avec du Grabovoi ou du sun gazing pranaïste ou d'autres méthodes, mais sinon, en général, usuellement, c'est perdu. Reprenons. Les yeux ne peuvent pas non plus voir l'ultraviolet ou l'infrarouge. Ça ne veut pas dire que ces ondes n'existent pas. Ah oui, ça c'est pour les esthéticiens. Ah, mais il y a des instruments qui permettent de le voir, vous dites n'importe quoi, on sait que ça existe. Ok, et celles que les instruments ne permettent pas de voir, vous refusez d'admettre qu'elles existent. Aïe. Et il y a quelqu'un qui disait, c'est justement chez Castaneda, là, il disait, l'état d'esprit des gens qui ne croient qu'en ce qu'ils voient est un des pires qui existent. Reprenons. Bon, ce que ça signifie que nos yeux et nos oreilles ne sont pas équipés pour voir et percevoir dans ces fréquences-là, dans ces bandes de fréquences-là. Encore, l'humain au sommet de la chaîne, de l'évolution, vous pensez,
le chat entend mieux, le chien entend mieux, l'aigle voit mieux, etc., etc. Hein, le serpent voit les infrarouges. Enfin, bon, en fait. Mais en quart, il y a moyen de travailler sur soi-même et de développer ces champs-là. Mais c'est autre chose, c'est dans les bioénergies. Et c'est passionnant. Et c'est très utile. Mais il faut pratiquer un peu quand même. Hein, vous savez, c'est l'exercice qui commence en faisant ça. Hein, on commence à maîtriser, on ressent la quantité d'énergie. En fait, c'est les deux chakras des mains là, qui émettent des rayons. Et... oui, je sais. Quel rayon ? Ouais, ben voilà. Voilà, ça commence. Ça commence au coin. On reprend. Donc, pour résumer tout ceci, les cinq sens que nous avons ne sont là que pour protéger notre corps en trois dimensions. Our eyes can see a boulder coming at us, so run out of the way. Our ears can hear gunshots, so we duck behind the dumpster. Our hand feels a hot door, and therefore we know not to open it. Donc, il nous détaille comment est-ce que nos sens nous permettent de nous protéger. The building's probably on fire on the other side. We smell smoke and detect that there's fire, or we taste something that just doesn't taste right, so we spit it out. Those only protect this three-dimensional being from. Tous nos sens donc ne protègent finalement que le corps physique. Being harmed, but it does not d'une blessure. Give us the ability to have an awareness into seeing other things. Mais ça nous donne aussi la capacité d'avoir une conscience pour voir et percevoir d'autres choses. That are basically universal to the universe. Et qui sont finalement universelles. But that can be true. Que vous trouvez partout dans l'univers. By activating the pineal gland. And one thing. Et tout ça, ça marche bien quand on arrive à activer sa glande pinéale. En quart, la glande pinéale est toujours plus ou moins activée. Elle fait partie du système neurocentral végétatif ou pas. Plutôt végétatif, du système hormonal, elle dirige un petit peu, elle et celle d'en dessous, qui doit être peut-être la pituitaire. Tout ça, ça est avec les parathyroïdes. Enfin bon, il y a tout un système de glandes qui sont en général dirigées à partir de là par le cycle du Nick Timer. Excusez-moi. Nick Timer en bicycle. On reprend. So two issues I have about this really incredible document is one that talks about hemisyncing, the brain hemispheres in sync together, but what it doesn't talk about is how that actually activates and frees the pine. Donc il nous parle de l'hémisyncrétisation, mais il nous explique pas comment est-ce que cela active la glande pinéale de façon à tirer de la lumière universelle des informations et de l'énergie. From what some disciplines call the Akashic records. Voir des informations de ce qui provient de la bibliothèque akashique. Which is kind of the ability to take in all knowledge that exists in the universe. Ce qui est le moyen d'accéder à tout le savoir de l'univers. And one says, well, how's that possible? So, comment est-ce possible? I'm not here to teach you that. I'm here to say what the army says about that. Je vais pas vous apprendre ça, je vais vous dire ce que l'armée en dit. Okay, so the first obstacle in getting us to sync the right and left hemisphere. Un des premiers obstacles à obtenir cette synchronisation hémisphérique. Is to turn off the monkey mind or the left hemisphere. C'est de faire taire le cerveau du singe. En quart, les humains ne sont pas des primates. Regardez les vidéos de Lloyd Pye, P-Y-E. Lloyd L-L-O-Y-D, plus loin P-Y-E. C'est un monsieur qui avait beaucoup travaillé là-dessus. Et aussi sur le crâne de l'enfant des étoiles, qui était un hybride entre une humaine et un ziti. Un de plus. Oui, parce que l'autre jour, on parlait déjà de quelqu'un que à peu près tout le monde connaît, mais ne conçoit pas qu'il soit hybride, en fait, même si lui-même l'a dit. Mais ce n'est pas grave. On reprend. Describe here is, as Niels Bohr's son, is you're not thinking you're... J'ai rien contre les hybrides, hein, au contraire. Hein. Au contraire, s'ils sont bien intentionnés... Moi, j'ai toujours envie d'apprendre quelque part, s'ils ont quelque chose à nous apprendre, s'ils ont un apport à faire à notre société de façon à ce que ça se passe mieux, bienvenue, évidemment. Hein. Mais si c'est pour nous remplacer sans nous le dire, et que l'autre partie de leur hybridation, c'est reptos, ou c'est insectoïde, ou c'est gris, ou c'est mal intentionné, pour nous actuellement, là, ça ne va pas, évidemment. Enfin, ça va moins bien, en tout cas, quoi. Hein. Mais on ne va pas généraliser, reprenons. Donc, il faudra arriver à n'utiliser que la face gauche, l'hémisphère gauche. Je ne suis pas sûr qu'il ait vraiment dit ça, et donc là, je ralentis et j'écoute. Off the monkey mind or the left hemisphere. And what is described as obstacle in getting us to sync the right and left hemispheres is to turn off the monkey mind or the... Oui, il faut éteindre ce cerveau. Mammifère basique, primitif, le monkey mind,
le cerveau du singe, il dit. On n'est pas les primates, on n'a même pas le même nombre de gènes. Il y a plus de 12 points de différence entre les primates et les humains. C'est rédhibitoire. Laissez tomber Darwin, là. Hein? Allez, on reprend. The left hemisphere. And what is described here is, as Niels Bohr's son, is you're not thinking, you're merely being logical. In other words, what he was saying is you're only using the left side of your head. Donc, ce qui se passe en général, c'est qu'on n'utilise que la partie gauche de notre cerveau. Encore, pour un gaucher, je ne sais pas si on peut inverser les choses. J'aimerais bien savoir. Je ne suis pas sûr qu'on puisse inverser les choses. Et de même pour une femme, est-ce que ça marche dans l'autre sens? Non. Parce que au niveau magnétique et énergétique, des fois, justement, il y a la symétrie dans le sexe féminin par rapport aux hommes. Hemisphere, the left hemisphere of your brain. So what happens in the first part of this document is it talks about ways to turn off the left hemisphere. So... Donc là, il nous explique un petit peu que dans ce papier, ils expliquent qu'il faut éteindre l'hémisphère gauche. C'est celle qui calcule. Pardon, celle qui calcule. So that the right hemisphere can be accessed. De manière à ce qu'on puisse accéder à l'hémisphère droite, ce qui est l'intuitive. C'est celle que les artistes pratiquent le plus. And so this document goes into different phases of getting us to... Donc ce document élabore sur les différentes phases hemisynching first, pour accéder à cette hémisynchronisation. By disabling the left hemisphere. Comment désengager, shunter l'hémisphère gauche so that the right hemisphere can be activated there. Pour pouvoir activer la droite. Enfin, elle est toujours plus ou moins activée, mais en fait, le brouhaha de la gauche couvre le silence de la droite. Oh. Là, c'est la droite qui marche, vous voyez. Mais bon, il y a aussi la gauche, parce qu'il faut bien traduire ce qu'il dit. C'est difficile. Et c'est pour ça, un petit peu, je bafouille. Alors, des fois, je perds une dent. N'importe quoi. On reprend. It'll teach you how to sync the two together. Once it teaches you how to sync the two together, then it'll teach you to sync with that vibrational. Alors une fois qu'il vous a appris à hémisynchroniser les deux ensemble, wavelength to your heart, making you... il nous apprend à faire la cohérence entre cette longueur d'onde et notre cœur. Or by a massive antenna for universal. Pour transformer notre cœur, notre corps, pardon, en antenne massive, en antenne conséquente. Light energy information. So, de façon à attirer les informations de l'énergie de la lumière universelle, perçue par la pinéale. Donc, les trois moyens ou le moyen libre d'activer cet hémisphère. Or by disactivating the right hemisphere. So the first one, en tout cas, il faut désactiver la gauche. Is hypnosis. Ah, ah oui, voilà, c'est trois moyens. Et entre autres, il y a l'hypnose. And what they say in, hypnosis is the reason that it works is because when you're looking at the pendulum and you're et la raison pour laquelle l'hypnose marche, c'est parce que quand vous regardez le pendule, staring at it and quand vous le fixez, what happens is it is so boring. There's no ce qui se passe, c'est que c'est tellement chiant. Input. There's no new stimuli. Comme ça manque à tel point, ça manque de stimuli extérieurs différents, de changement. Ce que l'homme adore, c'est le changement. D'ailleurs, dans l'univers, la seule chose qui ne change pas, c'est le changement. Ouais, bon. That the left hemisphere winds up kind of disactivating, getting... Donc finalement, au bout d'un moment, l'hémisphère gauche se désactive. Bored and falls asleep. Elle s'endort. And so what happens is that when that happens, because the left hemisphere is always looking for problems. Et ce qui se passe, c'est que l'hémisphère gauche est toujours en train d'essayer de repérer des problèmes. Action, reaction, cause, elle est en mode action-réaction, cause-effet. Raisonnement. Comparing past, comparer le passé, le présent, le futur. We know about this and relating past, bon, le futur. Bon. Experiences to what could. Comparer les expériences du passé à ce qui est en train de se produire de façon à savoir où on en est. C'est la manière que vous avez de reconnaître un visage. Par exemple, il faut aller chercher dans votre mémoire si vous le connaissez, à quoi ça ressemble, est-ce que c'est un visage, ce truc-là, qu'est-ce que c'est, paf, c'est un visage, est-ce que je le connais, paf. Quand vous voyez une nouvelle forme, votre cerveau va chercher dans toutes vos expériences visuelles passées à quoi ça ressemble. C'est un petit peu de cette manière-là aussi qu'ils bâtissent ces nouveaux logiciels
qui sont pas mal développées ces derniers temps sur ce site qui s'appelle Forensic Architecture et qui travaille en 3D. Ça fait un petit peu le même effet que les séances 3D dans NCIS ou dans tous ces films, Les Experts Miami, etc. Lorsqu'ils nous détaillent en 3D une situation particulière vue de l'intérieur, vue de l'extérieur, en tournant autour de l'objet, enfin, etc. On reprend. Happen in the future. That's all left hemisphere. And the left hemisphere takes in all the information, decides what to discard. Donc, ça, c'est le boulot de l'hémisphère gauche qui prend toutes ces informations et qui trie. That's why we're bombarded with advertising. We're bombarded. C'est la raison pour laquelle nous sommes bombardés de publicité. Bombarded with all kinds of stimulus. Et que les séquences changent tout le temps. Vous voyez, parce que là, ça entretient juste cet hémisphère-là. To activate that left hemisphere. Et ça l'active constamment. So that the left hemisphere can then decide what's important, gets the attention of the left. Et c'est elle qui va décider ce qui est important. Left hemisphere makes it go and present it to the right. The left hemisphere. Et à partir de ce moment-là, elle va trier et présenter la chose à l'hémisphère droite. There's actually the gatekeeper. Qui est en fait, qu'est-ce que c'est qui fait le concierge, le gatekeeper, le portail? It's important, gets the attention of the left hemisphere, makes it go and present it to the right. The left hemisphere is actually the gatekeeper. Oui, en fait, c'est l'hémisphère gauche qui fait ce tri. In hypnosis, what happens is ce qui se passe en hypnose, when we lull that left hemisphere to sleep, lorsqu'on envoie dormir cet hémisphère gauche, then it completely clocks out. Elle s'éteint. Leaving the right hemisphere exposed for input. And this is, et c'est à ce moment-là que vous pouvez donner ou recevoir des informations de l'hémisphère droite. Is how hypnotists work. You're getting sleepy, you're getting sleepy, and then they're not really sleepy, they're completely awake. But what happens? Quand on vous fait dormir comme ça, vous n'êtes pas en train de dormir vraiment, vous êtes tout à fait éveillé. This is now the left hemisphere. Mais il y a ce changement d'activité hémisphérique. Has checked out. So the right hemisphere is open to suggestion. Et l'hémisphère droite est ouverte aux suggestions. Suggestion like, you are now a chicken. Now, you're a chicken in front of this huge live stage demonstration of the hypnotist's power, and all of a sudden you're like, bah, 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 and making, you know, the audience is laughing at you. Et alors, si on vous dit que vous êtes maintenant un poussin, vous êtes un poussin, un poulet, une poule. But you're not aware of that because the left. Et vous n'êtes pas conscient de ça parce que votre hémisphère gauche est endormi. Hemisphere is made to go deceptive. Now that left hemisphere is the one that would have said, "Hey, dumbass, you are making a jerk out of yourself. People are laughing at." Et l'hémisphère gauche est celle qui vous dirait, hey, mon gars, t'es en train de te faire ridiculiser, là, tout le monde se fout de ta gueule. At you, what will people... Qu'est-ce que tu es en train de faire le poulet sur scène? Think, I hope this doesn't come out on video. Comme elle dort. Because you look like an absolute idiot. All of those things prevent you from actually becoming the chicken that's on stage in hypnosis. But when that is turned off, then the world is your creative oyster. And you know, I don't know if you've seen that picture that's gone out to the band's tennis shoe, and it says, if you can see the tennis shoe is pink, then your right brain dominant. If you can see. Ah, et donc là, il y a un test. Si vous arrivez à voir que la chaussure est rose, ça détermine que vous avez plutôt tendance à vous servir de votre hémisphère droite. It is teal and your left brain dominant. Ou la gauche. I'm very, very strong in terms of seeing it as in. Alors, c'est du gris qui nous montre là. Donc, des deux, il y en a une des roses. Hein, je ne sais pas. Avec ma vision, moi, je mets celle de droite plutôt rose. Et à ce moment-là, celle de gauche, elle serait beige. Mais bon, ça dépend de quelle rose il parle hein, aussi. Parce que bon. Hein, autre chose, hein, il faut adopter un code commun. Si je vous dis bleu, à quel bleu vous pensez par rapport à celui que peut-être j'imagine hein. D'ailleurs, aujourd'hui, quand on nous dit bleu ciel, les gens ils voient un ciel chemtrailé, ce qui est donc bleu pâle, qui n'a rien à voir avec le bleu ciel, qui est plutôt un bleu roi. Enfin, vous voyez ce que je veux dire? Il faut des... Enfin, alors on est bien sorti du sujet. Revenons-y. So when we deactivate that left brain, the logical brain, we leave the right brain completely open, and that's the first part into getting to hemisync. Because if we're constantly donc ça c'est la première étape pour arriver à faire de la synchronisation hémisphérique. Gatekeeping information away from the right hemisphere, then there's no way that we can link the two together. Okay. Parce que si on n'éteint pas le portier, le concierge là, il n'y a pas moyen de faire de la synchronisation hémisphérique. Second one they do is they discuss transcendental meditation. Ensuite, ils nous parlent de méditation transcendantale. Where in transcendental meditation, you start your awareness from your root chakra and you lift. On part avec notre conscience depuis le chakra racine. You go all the way up the trunk. You know, pour ceux qui savent pas, c'est celui qui est situé entre les jambes. To the top, of your awareness, maybe some would call it the crown chakra or whatever. Jusqu'à monter jusqu'au chakra coronaire qui est au sommet de la tête. But in transcendental meditation, we activate awareness of the right hemisphere. Et dans la méditation transcendantale, on active la conscience. By merely breathing and focusing dans l'hémisphère droite,
en respirant peu. Our awareness from the root all the way up to the right hemisphere. Et en montant notre conscience, enfin notre conscience, notre énergie du chakra racine vers l'hémisphère droite. Thereby activating it and getting it ready. Et en l'activant. To sync up with the left hemisphere. Ce qui nous permet d'être en situation de pouvoir la synchroniser avec l'hémisphère gauche. Kundalini psychosis or transcendence, transcendental meditation. Il nous parle aussi de psychose kundalini, kundaliniesque. And how it normally appears in meditation involving intense concentration. Ça apparaît normalement dans les méditations qui impliquent une intense concentration et une pratique pour 5 ans et plus qui sont nécessaires pour éveiller sa kundalini. Encore, ne jouez pas avec l'éveil de la kundalini tout seul dans un coin. Ça peut être assez grave. C'est-à-dire que vous arrivez dans des états qui peuvent vous choquer. Ça peut même vous rendre malade. Et j'ai un collègue qui a fait ça, il commençait à entendre ce que les gens disaient autour de lui, enfin, mais il ne dormait plus, il avait tellement d'énergie qu'il était obligé d'aller faire régulièrement dans la journée des exercices, faire des pompes, dépenser son énergie, aller faire du vélo. Il n'en pouvait plus au bout d'un moment. Et en plus, il est constamment sous tension et il a failli péter un plomb, quoi. Il a failli péter un câble. Mais bon, il en est revenu, mais il est resté un petit peu chez père. À jeun, hein, je veux dire, il a fait ça à jeun, c'était pas le genre à prendre des produits. Et il est super sympa, il est tout va très bien, mais comment dire, il a des fois des facilités à avoir des croyances qui dépassent un petit peu l'acceptation commune. Et pas la mienne, hein, parce que la mienne, moi je suis bon public parce que j'ai vécu des trucs qui dépotent, quoi. Donc je pense qu'il y a plein de choses qui existent voilà, c'est pas parce que je l'ai pas vécu que ça n'existe pas, ça c'est clair. Puisqu'il m'est arrivé des choses que les autres ont du mal à admettre parce qu'ils l'ont pas vécu non plus. Donc voilà, reprenons. Practice for 5 years to bring up the range for protracted periods. So what I found interesting is they did not discuss Zen meditation except for one sentence in Zen meditation. Ils n'ont pas vraiment parlé de méditation Zen. Meditation is the easiest way for you to get into hemisync. Quoi que ça puisse être un des moyens les plus simples pour arriver à cette hemisync. We'll come back to that later. À volonté. The third method of. Et la troisième méthode, c'est le biofeedback. Dan Winter, disactivating the left hemisphere so that we can make the right qui fabrique des appareils qui vous permettent justement d'avoir un biofeedback. Hein. Bon, reprenons. Hemisphere more open to awareness, vibrational energy is biofeedback, and biofeedback involves using stimulus, nerve stimulation. Donc ça utilise des stimuli nerveux. For the left side of the brain to touch onto certain areas so that the right hemisphere is actually woken up. So that's. Et ça vous aide à réveiller l'hémisphère droite. The first part of this document is talking about how to access the right hemisphere because we need to. Donc la première partie du document, c'est comment accéder à cet hémisphère. Turn off that monkey mind. We need to. Comment éteindre l'hémisphère gauche. Turn off that analytical action reaction cause. Bon, il se répète. Donc là, il va nous répéter tout ce qu'il vient de dire trois fois déjà, en fait, voire quatre. In effect, reason, logic, rules, observable, reportable, all of those things that really are so much a part of mankind and society, so much of mankind and society has been trained to actually turn off. Et tellement de l'humanité off our right hemisphere because a été programmée finalement à éteindre son hémisphère droite. That's where we get the intuition, and that's where it qui est pourtant l'endroit d'où on tire notre intuition. Things become dangerous. So dangerous that the army is terrified of people who can meditate. Mais c'est aussi l'endroit où les choses peuvent devenir tellement dangereuses que l'armée est terrifiée à l'idée que ces documents puissent pas accéder au public et qu'elle les avait classifiés pendant de nombreuses années. L'armée américaine, hein, mais pas les autres, enfin pas toutes, bon, j'espère. Enfin, moi je savais que ça existait et finalement j'ai très peu fait l'armée. J'en ai fait un petit peu mais on pratiquait pas du tout ça. Puis c'était pas dans ces section particulière. Reprenons. And that's what I find most profound about this beautiful document. They're scared shitless about people who know how to meditate. And this is coming up in a huge way. You've heard people talk about bon, là il parle, il ne raconte rien de spécial.
it's rising and people waking up and things like that. This is why you might see or sense that things are in a rush for control. Perhaps later in one of the later videos, I'll talk about the shift from of the Earth's top of the axis from. Il nous parle justement de la bascule du pôle de l'axe terrestre into the Aquarius constellation. Avec le passage entre la constellation du Poisson jusque vers le Verseau. Different star energy that basically shines light on the Earth. L'arrivée de Jésus qui a répandu la lumière sur Terre. That happens. Hop, dans la Bible, c'est aussi un précis d'astrothéologie. La Bible, c'est aussi un précis, un compendium de Kundalini. Et c'est aussi un certain recueil de données archéologiques, en plus de tout le reste que vous pourrez trouver, dont aussi quand même, il faut que je le dise, une programmation de façon à ce que finalement vous restiez bloqué là-dessus et que vous n'ayez pas le droit de vous poser de questions sur qui a écrit ce machin. Ce machin, c'est un peu péjoratif, là, c'est vrai. Ce livre qui est dit sacré alors qu'il ne cesse d'être remanié. Ah! Un aveu même du Vatican. Hein. Et puis, on se rappelle le Conseil de Nice et autres Constantinades. Reprenons. But no. So the gateway experience is a training system designed to bring. Donc, l'expérience de la passerelle, c'est un moyen d'entraînement enhanced strength, focus and coherence of the. Qui augmente la cohérence. Amplitude and. Et l'amplitude et la fréquence des ondes cérébrales entre l'hémisphère gauche et la droite, de manière à altérer la conscience, la faisant sortir hors de la sphère physique, de manière à ce qu'elle échappe même aux restrictions du temps et de l'espace. Of time and space. Goosebumps. Because this actually works. And those of us who can do it, maybe you think we're crazy, maybe our friends think we're crazy, but this is. Et les gens qui arrivent à ça, vous pouvez penser qu'ils sont fous, mais. This is. There are people that are recruited for the army for the ability to do a thing. C'est ceux qui sont recrutés finalement par l'armée parce qu'ils ont cette capacité aisée, avec aisance. Called hemisynching. So. De parvenir à l'hémisynchronisation. The participant then gains access to the various levels. Donc, les participants, par la suite, accèdent aux différents, aux niveaux variés du savoir intuitif qu'offre l'univers. Of intuitive knowledge which the universe offered. Attends, c'est un papier de l'armée, ça. Hein? Non, mais c'est pour ça que Michael Aquino, là, ils l'ont bien aimé et il est monté en grade rapidement. Mais parce qu'il y a du résultat. Il y a du résultat derrière. Et c'est peut-être aussi ce qui explique des promotions éclairs pour certains personnages, dont parfois les comportements en public ne sont pas exemplaires. Reprenons. In other words, the Akashic records. In other words, everything that has ever happened in. Donc, il nous détaille quand même que dans la bibliothèque akashique, il est inscrit tout ce qui s'est jamais produit sur Terre, ce qui est en train de se produire, et même ce qui se produira d'une certaine manière. Awareness. Ça, c'est pas lui qui le dit, c'est moi, mais. Je dois rajouter aussi un petit truc, c'est qu'on nous a rapporté aussi que des fois, les gens qui allaient dans les annales akashiques étaient confrontés à des portes fermées, et des fois à des gardiens qui leur disaient « Là, tu rentres pas. » Alors, qui est ce gardien? Est-ce que c'est un ennemi qui veut pas? Est-ce que c'est une entité qui veut pas? Et est-ce que c'est un sage qui dit « t'as pas le niveau pour accéder à ces informations-là », ça peut te créer des dommages à toi ou toi, tu peux en créer autour de toi par la suite. Il y a comme ça un truc dans le genre. Et voilà, vous avez pas le diplôme. Vous n'avez pas le diplôme, non, t'as pas ton laissé-passer, quoi. Genre, encart, dans l'encart. Si l'entité que j'ai croisée ne m'avait pas mis finalement pendant 30 ans en stase, ce qui a fait que pendant 30 ans, j'ai oublié cette rencontre, à peu près. Hein. Mais j'ai aussi oublié tout phénomène OVNI pendant 30 ans, alors qu'on en parlait dans les années 70 à la télé. C'est parce qu'en fait, suivant votre maturité, votre abord de ces sujets,
vous amène à bon port ou pas. Je vais lire. Bon, allez. To, you know, go to different cities and all that. You gotta listen to the end of this video series because it explains it through the explanation of holograms. So exciting. Really. Donc, c'est lié avec l'explication des hologrammes. Honestly, hope this doesn't get taken off. I've done, you know, really very harmless videos before on YouTube. And then YouTube shut my site down. Didn't talk it. C'est vraiment une vidéo dangereuse. Il faut que je me méfie avant que YouTube me censure. Globalement, il a dit ça, j'ai l'impression. About masks. Didn't talk about COVID. Didn't talk about... Ah, je n'ai pas parlé de masque, je n'ai pas parlé de Covid. Ah oui, parce qu'aux États-Unis, ça a l'air d'être encore pire qu'ici. Bah bon, c'est la maison mère Google aussi. Adrenochrome or QAnon. Ah, il n'a pas parlé non plus d'Adrenochrome ou de QAnon. Et rien que de parler de ça, c'est super dangereux. And boom, they shut it down. Okay, so... Il y en a qui parlaient de ça et qui se sont fait chanter. Okay. So then they talk about frequency following response. Ensuite, on parle de la fréquence, de la réponse fréquentielle suivante. Je ne sais pas. Technique. And this is something where they try to explain hemisyncing. Alors, pour parvenir à la synchronisation des hémisphères cérébrales, les techniques d'hemisync ont l'avantage, prennent avantage sur un phénomène connu en tant que, ben, justement, FFR, Following Response, enfin, Frequency Following Response. As the beats between two hemispheres, and if you... Donc, qui compare les rythmes entre les deux hémisphères. Can hear it through your ears, through tapes, then your response will follow the frequency that it hears. Now, this is really not correct, and it's really wrong. Donc, il y a quelque chose qui n'est pas correct là et qui est même faux. Now, this one particular frequency... Donc, là, c'est un encart d'une vidéo qui... nous parlait de cristaux. Now, this is really not correct, and it's really wrong. Caractéristiques des cristaux. Now, this one particular frequency is called the... Donc, cette fréquence particulière est appelée natural resonance frequency. La résonance par... la fréquence de résonance naturelle des cristaux. Frequency-following response means... Oh, c'était vraiment un encart. That the body responds by matching to a frequency. Now, here's... Donc, c'est la manière dont le corps répond à une certaine fréquence. Donc, il a déjà fait une vidéo sur la manière dont les cristaux fonctionnaient. Oh, bah écoute, je vais aller vérifier si ça correspond à ce que j'avais dit à propos de Bernard, pas Bernard, Vogel, s'appelle Bernard? Non, je ne sais plus. L'ancien scientifique qui a bossé pour IBM et qui a finalement créé les cristaux Vogel, V-O-G-E-L. Ouais, vous pouvez charger, vous pouvez informer, donc vous pouvez vous servir pour guérir, entre autres. C'est pour ça qu'il faut une certaine maturité, c'est pour ça qu'on ne donne pas des perles aux cochons, c'est parce que si vous donnez une Kalachnikov à un singe, il est capable de s'en servir, mais pas vraiment comme il faudrait. Peut-être des fois, il la retourne contre vous. Et là, il y avait une petite vidéo qui tournait à une époque en Afrique. Il y avait dans une armée africaine, un d'entre eux, un soir, sous le coup de l'ivresse, donne sa calache à un singe qui réussit à la faire marcher et qui commence à tirer des rafales. Et vous voyez les gars qui partent dans tous les sens, évidemment. Voilà, quoi. Hein, on ne donne pas une kalachnikov à quelqu'un qui n'a pas une certaine conscience du monde, quoi, pour le moins. Reprenons. Et c'est pareil pour tout, en fait. Vous ne donnez pas des recettes magiques à des enfants malsains ou des adultes malsains. Sinon, ils vont s'en servir contre vous. And it's so cool, you know, like you do crystals and like totally like, you know, the crown chakra and the root chakra, you know, and they get together and it's just like magic. Crystals are probably one of the easiest to understand, but most widely confused. Les cristaux sont sûrement un des moyens les plus simples de comprendre. Use topics for people, especially people who wear turbans and crystal swords and things like that. They come up with all kinds of stuff. It just makes me like, you know, facepalm when I hear it. Crystals are so simple to understand. Les cristaux sont pourtant si simples à comprendre que... Il est vexé par une certaine manière dont les choses se sont déroulées, mais enfin, j'ai mal traduit. Crystal is an item that has a lattice-like structure. C'est un objet qui a une structure cristalline inside it that allows it to emit a single frequency. Qui lui permet d'émettre une fréquence unique. Only. Okay. Now that is based on the thickness, based on the composition. Ça dépend de sa taille, de sa composition. The crystal. But I'll tell you that much. This rose quartz sounds like this. Cette boule de quartz cristal. Ooh, and qui correspond au son thinner, go, et s'il la coupait, sa fréquence, ce serait une autre. Whatever.
it, ou quoi que ce soit. Emits one frequency only. That's the beauty. Cette boule de cristal n'émet qu'une fréquence. Crystals. And so everything in the world that is electronic, donc tout ce qui existe sur Terre et qui est électronique, digital, silicon, digital, valley, qui sort de la Silicon Valley, liquid crystal display, les mécanismes à cristaux liquides, a quartz oscillator, les oscillateurs, les oscillateurs à quartz. On dit oscillateur? À quartz oscillant. A quartz watch. Everything is based les montres à quartz. On crystals. Tout est basé sur les cristaux. Crystals have the unique capability, qui ont la capacité unique, because they can emit only one frequency, de pouvoir émettre une seule fréquence. It's great for the... C'est bien, hein, parce que finalement, le coup qui se répète, si jamais je me suis trompé la première fois que je traduis, au moins, j'ai une chance de me récupérer. Because in the old days, you know, computers are binary, right? 8 bits, so 0, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 0. With crystals, rep... Donc, il nous parle des ordinateurs qui marchent en binaire, de 1 et 0. And having tubes to indicate what the... Et donc, on peut avoir des tubes qui binary, indiquent... The bit, la qualité de la situation binaire. The bit structure of that piece of information, the crystals can actually, through a process called doping, par un processus appelé le doping, can run current through different, le cristal autorise le passage du courant dans différents chemins, frequencies, différentes fréquences, and therefore come up with a different result, or, et obtenir des résultats différents, a different conclusion, à parvenir à des conclusions différentes. And that's what makes the microchip able to take your... Et c'est ce qui permet à une micropuce, telle que celle que vous avez dans votre téléphone, qui sont des millions de fois plus puissantes que celle qui avait, que même l'ordinateur qui a permis à l'homme d'aller sur la Lune. Bon, encore, moi je pense qu'ils y ont été, mais pas avec la capsule Apollo. Ou la capsule Apollo, ils l'ont mis dans la cale de la soucoupe et l'ont amené là-haut. Et les mecs, ils étaient sous contrôle mental. Et en plus, ils avaient travaillé énormément en réalité virtuelle. En réalité virtuelle dans les années donc 67-68. Et oui. Non, mais je vous dis, quand ils nous filent un truc à nous, les civils, ils ont déjà mieux depuis, à l'époque, on disait 4 ans, mais moi, je pense que c'est plus que 4 ans. In frequency falling response, what it basically means is that... Encore. Et c'est pour ça que quand le DARPA ou la Navy subventionne des films comme Stargate ou quoi, ou même Star Trek à l'époque, et qui nous montrait justement des téléphones portables et tout, oui, c'était juste un reportage politiquement corrigé, à mon avis. Apprenons. Your body will respond to a frequency and... Donc, on va faire correspondre et répondre le corps à une certaine fréquence. Then it will respond. So, frequency following response. So that means that when you say, for example, your third eye chakra. Donc, si par exemple pour votre chakra du troisième œil. I think it hums at like 768 hertz. Qui a une fréquence vers 768 hertz. The natural wavelength of it. You'll have to look at. Donc, vous pouvez chercher for example, that you're being inundated with negative thought, les différentes fréquences qui correspondent aux différents chakras. Your emotions, your energies, and your chakras start to actually... Et quand vous écoutez cette sonorité, ça allume votre chakra. Vibrate lower, so instead of going like the world wants it to, like in harmony with nature and everything like that, because you're thinking about your bills, your taxes, or that boy who won't text you back, it goes and it goes down a little bit lower. What happens is that your chakras are now not in balance. And let's... Et quand vos chakras ne sont pas équilibrés, un chakra qui est juste un point de résistance mineure électrique. Ils sont dessinés là, vous les voyez. En fait, ce sont des petits vortex qui passent dans la dimension d'à côté. In Chinese medicine, they're called dantians, but it all basically means the same thing. These are... Bon. C'est pratiqué dans la médecine chinoise. USB ports in order... Et imaginez, donc, c'est un port USB to connect to your body. This is something... qui permet de connecter votre corps. The acupuncturists have known about. C'est très pratiqué dans l'acupuncture, entre autres, mais Qigong, etc., etc. Les arts martiaux aussi. Centuries, the ability to go into the heart circuitry wiring of the body. Et c'est le moyen de pénétrer dans la circuiterie du corps.
because we're all just electricity. There's... Parce que nous sommes électricité. Oh, 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 il me plaît, lui. On est dans un univers électrique et tout est électrique. Hein? Oui, ça, c'est clair. Ah, c'est très spécial. Ça, c'est électrique. Eh, ouais. L'électricité qui se transforme en lumière et la lumière qui se transforme en matière. Ouais, on a un truc dans le genre. On y va. Et l'électricité, c'est à peu près tout. La stimulation nerveuse, l'activité cérébrale, la rythmique de votre cœur. Vous savez que votre cœur a son propre circuit nerveux. Hein. Il y a des gens qui n'ont plus de cerveau, le cœur tourne encore. Proof of that is that where electricity is the moment that we die and our, you know, our electrical energy leaves the body. Au moment où on meurt, notre énergie électrique quitte le corps. It decomposes, literally turns into soil because there's not that electrical energy. Et c'est à ce moment-là qu'on commence à se décomposer et qu'on se transforme en poussière, en sol. Poussière tu étais, poussière tu seras, tu redeviendras. There's no, you can't put any probes on anywhere in the body and feel an electrical wave pattern. That's because when the electrical energy leaves our body, the body. Et c'est à ce moment-là que si vous prenez une sonde électrique et que vous la posez sur un cadavre, vous n'avez pas de réponse. Body dies. So the body is electrical. And donc, revenons. Le corps est électrique. Therefore, in the chakra healing. En tout cas, il est animé par l'électricité et il y a des circuits partout. Ne cherchez pas le câblage. Hein. C'est un peu plus subtil. When we, you know, and you can look this up, by the way. What is the frequency for the root chakra? And it'll give you a number on Google. It'll tell you what's... Donc, on nous donne la fréquence du chakra racine. You know, this amount doesn't have to be that exact frequency, but... Ça n'a pas vraiment besoin d'être cette fréquence exacte. If you can put a frequency oscillator and get you back, where it's like the body doesn't want to hear, and it's supposed to be, it won't like the dissonance of it being out of tune. Okay, so that's actually in tune. Now, listen to what happens when I take it out of tune. Donc, il va nous émettre des fréquences, là. That's horrible, right? Oh, le chat! Derrière lui. Quand votre corps entend ce son, il va se mettre en accord. Frequency following response. Et c'est ce qu'on appelle donc la fréquence. La fréquence réponse suivante. Enfin bon, les Américains, des fois, franchement, comment on dit en français? Bon, peut-être que ça me viendra d'ici la fin de la vidéo. Your body will tune up based on hearing the vibrational energy. Donc, votre corps va se mettre en accord, tonalité, en fréquence, avec le son que vous entendez. From a crystal that emits. Et par exemple, là, la fréquence est mise par un cristal. It's only one frequency, and it will tune up. So that you are now basically in balance to the way you shift. De manière à être en harmonie avec. That's why, you know, crystal healing works. It doesn't. Voilà, la manière dont un cristal fonctionne, c'est que votre corps se met en harmonie avec la fréquence émise et suivant à l'endroit où vous mettez le cristal, trouvez le bon cristal pour le bon chakra et ça vous mettra en harmonie. Work the way most people do it. I've gone into crystal stores and people go, oh yeah, like one of the funniest things I've ever seen is this person brings in a bag full of crystals. Une des choses les plus drôles qu'il ait jamais vues, c'est que quelqu'un avait amené un sac pour les cristaux. Which is a horrible idea to stick a bag of them. Et ce qui est une horrible idée. Because they're going to sound like this. They're all different frequencies, I think. Parce que si vous avez tous les fréquences qui se mixent les unes les autres. All don't resonate with each other. They're not. Et qui ne résonnent pas les unes avec les autres. Harmonious. They're not, you know. Ce n'est pas en harmonie. Third or fifth or anything that actually sounds, you know, pleasant. It's actually very unpleasant. The more crystals. C'est très désagréable. You have, the more it sounds like a whole bunch of instruments in an orchestra, all completely out of tune. Voilà, imaginez un orchestre où tout le monde est désaccordé et joue ensemble. So this person brings in this bag of crystals, which I'm just like, oh my god, why a bag of crystals? And then she lays it out on the counter. And then this lady who owns the store takes a tuning fork, and she. Et puis il a donc pris un diapason. Touches it to each of the crystals. Et il l'a fait vibrer et il a touché tous les cristaux. And then charge the lady $20 to tune the crystals. Et il appelait ça accorder les cristaux. Cannot tune a crystal. The crystal. Vous pouvez pas accorder un cristal à moins de le tailler. Has an inherent frequency, which is the definite. Et même. Et non, parce qu'il a de toute façon une fréquence unique, oui. Crystal to be one frequency only. So in order to say that I'm going to take my A for A tuning fork. Alors pour avoir la note A, donc la. Which is actually discordant with anything that's in nature. And qui est en fait en désaccord avec quoi que ce soit qu'on trouve dans la nature,
Oui, parce que c'est le 440. Dans la nature, c'est 432. Touch it, you know, to crystals is kind of foolhardy. Donc, c'est une hérésie de faire ce que la personne avait fait. Plusieurs hérésies, la personne a fait. En quart, voilà. C'est les dégâts du New Age. C'est, voilà. Vous avez un matériel incroyable, spectaculaire, idéal, et vous en servez mal, vous le maltraitez, et vous ne faites que des dégâts, des perles au pourceau. Crystals, so that you know the truth, emit one frequency only, and as do your chakras. But now your chakras can go out of tune. Okay, so in frequency fall. Il est possible que vos chakras se désaccordent. In response, unfortunately, but the CIA document tried to say. Et ce que ce document de la CIA essaie de nous dire. Is that you can listen to these Monroe Institute tapes. Vous pouvez écouter ces cassettes de l'Institut Monroe. And then your body will then sync the two hemispheres together. Et votre corps va créer l'hémisync. Which la synchronisation hémisphérique. Does not happen, and this is why they haven't been able to have tens of thousands of soldiers all going up and going and dissolving buildings, because it cannot be trained like that. Mais c'est la raison pour laquelle ils n'ont pas réussi à créer des bataillons de soldats qui auraient pu détruire des immeubles à distance en émettant un son tous ensemble. C'est l'histoire de Mouadeb, vous voyez, parce que. Be trained, as it says in the document, by a Zen practitioner with 20 years of practice. Parce qu'il s'y prenait comme des branques, quoi. Donc, un praticien zen qui, lui, peut aisément parvenir à la synchronisation hémisphérique. Alors, lui qui a étudié ça, excusez-moi pour ma phrase, hein, depuis l'âge de 12 ans, il a pratiqué la Zendu Cry. Zen in karate. And this was a really effective system of kind of. C'était un très bon système efficace. The Japanese kendo style of karate. Issu des kendo japonais. But it also incorporated Zen. And the reason that it. Dans lequel on avait incorporé du Zen. This is because when we become filled with emotional. Et quand on arrive à être bourré d'émotions. Anger and we're in what. Tel que la colère, par exemple. Tout ce à quoi vous pensez, c'est de taper sur quelqu'un. You know, whenever we start a fight, we always. Et quand vous commencez à vous battre, have a plan, but that plan gets. Alors que vous devriez toujours avoir un plan. Completely thrown out the window the minute you. C'est là votre plan, vous l'envoyez par la fenêtre. Absorb your first punch. In Zendoru Karate, we. Dans le Zen Guru de Karaté. Put ourselves into the observant, not. On se. Ah, c'est celui-là, là. Zorinji Zendo Ryu Karate. Not reactive, not opinionated. On se met dans un état non pas de réaction, just the observant, on reste en tant qu'observateur. State of being, in Zen, we call Satori. And et dans, en Zen, on appelle ça le Satori. Therefore, we can easily block, without et c'est ce qui nous permet à ce moment-là de bloquer aisément. Having to think about, oh, sans avoir à y penser. Well, this is coming, and this is going to go like that, and then we're going to do. That's not part of it, because I think one of the flaws of many of the martial arts is that they're very technique based, and they say, "Man, coming at you with a knife." Et comme dans les arts martiaux qui sont en général très très techniques, quand quelqu'un arrive avec un couteau, I've got four different types of. Vous avez plusieurs moyens. Lui, il en a quatre de le bloquer. Blocks that I can do. Which one do I decide? Left brain. Come on, act fast. By that time, you've got. Et vous n'avez pas le temps de penser. Laquelle des techniques vous allez adopter? A knife in your eyeball. So, il faut que ça vous sorte comme ça, évidemment. Zendru was really wonderful, but being at that age, with your hormones raging, and et comme c'était à l'époque où il était dans l'orage hormonal, bon, 14 ans, on va dire. Dr. Scornia, the sensei of the school, puts me in. Son maître. Do these long classes simply because he asked me why am I coming to karate, and I said because I'm going to beat kids up at school. Et un jour où il arrivait en pleurant parce qu'il avait eu un problème à l'école, il l'a mis en situation de méditation zen. Zen meditation, if you read my previous memoirs book, that was published. Donc, ce monsieur a écrit un bouquin dans lequel il a parlé justement. But a really huge part of my life. Puisque cette méditation zen fut une grande partie de sa vie. Because of the awareness, the non-reactive, the ability to observe. Cette capacité d'être en conscience et non pas en réaction. But also to have OOB and being able to see different places and times. Mm. Et c'est aussi ce qui lui a permis de voir, enfin de se libérer du carcan de l'espace-temps. Voilà. Ça vous donne des perceptions au-delà du temps et de l'espace. Là, paf, je sais ce que mon chat fait à la cuisine. Ouais.
Je rigole, je ne sais pas ce qu'il fait dans la cuisine. D'ailleurs, il n'est pas dans la cuisine. Il est dans le jardin. On reprend. Il était aussi capable de faire ça demain ou hier. Je veux dire, je suis là et je sais que demain, le chat, je le vois déjà dans le jardin à un moment donné faire ça. Voilà, paf, on peut faire ça. Pardon. Mais Henri Mondieu, de toute façon, on n'a pas de limite espace-temps non plus. Hein. You're so weird. Okay. So I'm not going to say that. I'll let the army say it. Okay. So in free. Par contre, en général, Henri Mondieu, on n'arrive pas à déterminer à quelle date c'est. Hein, c'est très difficile. Il faut trouver des moyens. Et je pense qu'il y a des stratégies, des tactiques en ciblant différentes manières ou différentes personnes. Imaginez, si vous visionnez une femme enceinte, par exemple. Ben, ça vous limite à 9 mois le moment où l'action a pu se produire. Une action X. Et si vous arrivez à visualiser la femme enceinte sur place, et si elle a déjà son enfant, ou si elle ne l'a pas encore, si c'est au début, vous voyez, il faut que vous puissiez, c'est moi qui ai le cube, voilà, hein, il faudrait que vous puissiez spécifier un objet dont l'évolution est simple et facile à déterminer, de façon à ce que vous sachiez tout de suite à quel moment c'était, quoi. Mais ils ont des gros problèmes pour savoir si... Si on leur dit à quel moment est-ce que le Bitcoin va monter, enfin, qu'est-ce qui va se passer avec le Bitcoin? Ils vont dire il va monter, il va descendre, mais quand, c'est difficile. Il faut qu'ils prennent d'autres éléments et qu'après, on recoupe toutes ces séances-là pour dire, bon, ben, a priori, si ça s'est déjà produit, si ce n'est pas encore. Voilà. C'est un petit peu comme aujourd'hui, là, si on regarde les grandes tribulations pour savoir où on en est dans les grandes tribulations, ben, on sait qu'ils ont déjà commencé à essayer de reconstruire le temple. Le troisième temple de Jérusalem, oui, bon, pas au bon endroit, mais je ne suis pas sûr qu'ils aient pour intention d'être corrects de toute manière. Alors bon, ils s'en foutent un petit peu. Oui, ils sont en train de le construire. Le mur actuel, c'est en fait le mur d'une caserne. Ça n'a rien à voir avec le mur du temple de l'époque, qui lui était, je crois, 400 ou 800 mètres plus bas. Il y a un reportage d'une heure et demie fait par une équipe israélienne d'archéologues. C'est près d'une source un peu plus bas. Un bassin, une source. Reprenons. Once you fall in response, that's the only thing that I think is kind of flawed about this document, other than the fact that they forget about the tiny allowance. Donc, il a bien aimé ce document, mis à part le fait qu'ils aient shunté les spécificités de la glande pinéale Roll. Okay. Et son rôle. I'm going to break it into the third video now. Et donc, on passe à la troisième vidéo. Third part of this video, where this is the coolest part. C'est la partie la meilleure. Where this talks about holograms and the Il nous parle d'hologrammes role of holograms in heaven. Et le rôle des hologrammes experiences, the ability to see the future. Dans cette capacité à faire des expériences hors du corps, de voir le futur past, ou le passé, and remote viewing. Et de faire du remote view. Again, remember, this is the United States Army's N'oubliez pas, ça vient de l'armée des États-Unis. Militarization. Et il se répète un peu, hein, et c'est la militarisation du remote view. Practicality study of the ability to use psychic power l'utilisation des pouvoirs psychiques to give the army à des fins militaires. Military advantage. And one of the things... Mais là, en quart, ce n'est pas le renseignement militaire hein, qui est mis en place là, c'est l'action militaire. Hein. Parce que les remote views, vous pouvez s'en servir pour tout. Hein. Mais si vous voulez avoir un impact, voilà, vous allez peut-être faire du CRV, du remote view contrôlé ou du RVI, Remote View Influencing, de l'influence Remote View. C'est pour ça qu'il faut une certaine maturité hein, quand même pour pratiquer tout ça et pour voilà quoi. Ça peut être puissant et ça peut être très efficace. Donc il faut quand même des gens normalement bien intentionnés à la base. Méfiez-vous, hein. Il y a karma, hein. Ça, il y a quelque part, vous ne faites pas n'importe quoi. D'ailleurs, quand vous faites quelque chose, demandez l'autorisation de le faire et mettez l'idée que si jamais ce que vous avez fait n'est pas adéquat, ce soit effacé, ce soit annulé. Voilà, ça vous évitera des retours de bâton, des retours de flamme désagréables. Reprenons. Donc, il nous suggère vraiment d'aller voir ce film. Because they talk about the Russians actually having Parce qu'ils nous parlent des Russes qui auraient a military unit that does une unité militaire this kind of thing, starbursting and out-of-body experiences.
pratiquant effectivement ce genre de choses, les sorties du corps, le remote view, etc. Tout ce qui a été testé, éprouvé, et qui a servi à la satisfaction du renseignement militaire. Let's talk about the hologram. Donc, parlons de l'hologramme. Encore. Un jour, les Américains, ils ont même décidé d'aller espionner les Russes lors de... qu'il y avait un débriefing. Ils envoient les remote viewers sur place, si on peut dire envoyer. Hein, c'est-à-dire les remote viewers, ils sont dans un bureau au Pentagone. On leur donne un code, ils ne savent même pas ce qu'ils cherchent. Et l'équivalent du code, la raison du code, enfin, sa traduction, hein, c'est aller espionner le débriefing russe. Et quand ils sont arrivés chez les Russes, ils ont vu le débriefing, ils sont revenus. En fait, ce qui s'était passé, c'était tout faux, ce qu'ils ont ramené comme info. Ce qui s'est passé, c'est que les Russes les attendaient. Et ils leur avaient fait voir ce qu'ils voulaient. Ils savaient. Donc, comme je sais que tu sais que je sais. Bon, là, on se fend la gueule parce que ça ne coûte rien, hein. Mais bon, ça peut être catastrophique. Reprenons. Explain it in the best way that I can, because this gentleman does his best to do it, and he's got a hard job ahead of him. So let me explain what a hologram is. Donc, il va nous expliquer ce qu'est un hologramme. Alors là, peut-être que je vais écouter d'abord, parce que si jamais il nous dit des trucs qu'on sait déjà, on va s'en passer, hein. Quand même. Je ne sais pas qu'ils ne sont pas sympas, hein, mais bon, j'en ai marre de répéter trois fois les mêmes choses quand même. Donc, imaginons, on va détailler quand même. Imaginons que vous avez un réservoir plein d'eau, très calme. Il balance dedans un caillou qui fait le bruit. À un endroit particulier, éloigné de ce réservoir d'eau. Il y a des vagues qui vont s'éloigner depuis ce point de chute. So I'm sitting here, and then bang, as soon as it drops, and then the ripples start to form, I freeze the entire... Au moment où le caillou passe et que les ondes commencent à s'éloigner, il frise la scène, il la gèle, il la bloque, il la stoppe, il la fige. Tank, in a heartbeat, in a flash. En un flash. Out all the eyes until there's only this little tiny piece of that big tank. Et il se focalise jusqu'à qu'il ne perçoive que juste un petit endroit. And guess what? I can tell you where that pebble dropped. Et en se focalisant sur ce petit endroit, il arrive à dire où est-ce que le caillou a frappé l'eau. How far away? À quelle distance? And how far down into the tank? Et à quelle profondeur maintenant le caillou est? It dropped. How do I know that? Because, comment sait-il ça? Because the shape of the arc, parce que la forme de l'arc de l'onde, de la vague, coming at me, it's going to look like, qui vient vers lui, like that, and the width of the waves, if it was. Et l'épaisseur de l'onde. Parce qu'il y a une proportion entre les distances entre les différentes vagues. Hein. Ben, il faut savoir ça, mais bon. Large, flat, or... Et en fonction de la distance, il y a aussi une amplitude qui varie. So when we drop the pebble, donc, quand on jette le caillou, on peut prendre n'importe quel endroit, finalement, sense the arc of that vibration. Et définir à partir de cette... de la configuration actuelle de cet endroit, tout le reste. We can sense, the distance from the event happening. On peut donc ressentir à quelle distance on est du lieu du choc de l'eau, dans l'eau. And we can do what's called a hologram. Et donc, on peut faire ce qu'on appelle un hologramme. Hologram is actually the ability to take something and to expand its dimension. L'hologramme, c'est en fait là la capacité de prendre quelque chose et d'augmenter. Capability. So it... ah, on va reprendre ça. To take something and to expand its dimensional capability. Et oui. Ability. So in other words, we can say from that little tiny part of c'est ce que j'avais dit. The sample area, we call very low resolution. Donc on peut prendre cet endroit qui finalement aura une résolution très basse. We can fill in the blanks. It's just like if... et puis remplir tous les trous des données qui nous manquent à propos des informations sur tout le reste du réservoir d'eau. You had a picture. Et l'endroit du caillou et plein de choses comme ça. Of maybe one quarter of your face, but you knew that person's face, maybe it was Abraham Lincoln, and then you could just kind of see the rest of it.
Là, vous percevez par exemple un tout petit bout de cette partie de la peau d'Abraham Lincoln, mais vous ne saviez pas que c'était l'Abraham Lincoln, mais en extrapolant, vous arrivez à concevoir Abraham Lincoln. Through the hologram. Here's another example of a hologram that you may not know. Because this is going to talk about the third, fourth, fifth dimensions later in the document. But when it's... Alors là, il y a la définition de l'hologramme, plus ou moins l'énergie créée, stocke et se sert d'informations dans l'univers en projetant ou en élargissant certaines fréquences en mode tridimensionnel qui crée une forme vivante appelée un hologramme. Ce concept d'hologramme peut être compris plus facilement en utilisant un exemple cité par Bentoff, dans lequel il demande au lecteur de visualiser un bol d'eau dans lequel trois gouttelettes sont jetées. Alors que les vagues sont créées par les entrées simultanées des trois petites gouttelettes qui irradient vers les bords du bol, Bentoff demande après au lecteur de visualiser que la surface de l'eau est instantanément figée de manière à ce que le schéma formé par les vagues soit figé instantanément. La glace est enlevée en laissant les trois petites gouttes. Ben, ce n'est pas gouttes, hein, c'est des petits cailloux, quoi. Posées au fond du bol. Ensuite, la glace est exposée à une source cohérente et puissante de lumière, telle qu'un laser. Le résultat sera un modèle tridimensionnel ou une représentation de la position de ces trois petits cailloux suspendus au milieu de l'air, enfin en cours de chemin. L'hologramme a la capacité d'encoder tellement de détails que, par exemple, il est possible de prendre une projection holographique d'un verre d'eau du marais, de vase, et de la regarder sous une grande amplification pour voir de petits organismes qui ne sont pas visibles à l'œil nu, alors que le verre d'eau lui-même est examiné. Le concept entier de l'holographie, malgré ses implications scientifiques, n'est connu que des physiciens depuis que des principes mathématiques sous-jacents ont été élaborés par Denis Gabor en 1947, qui est devenu par la suite prix Nobel pour ce travail. Ben, je pense que j'ai à peu près traduit correctement. En fait, on voit des hologrammes tous les jours. Parce que ce qu'on voit, c'est un monde bidimensionnel. Quand vous le voyez, lui, et que vous regardez derrière lui, il y a un escalateur, il y a un frigo. Il est tout content parce qu'il a quand même eu un album dédicacé de Simon ou Jimmy Page. You can see that all behind me. You can infer. Vous savez que le père de Jimmy Page était dans les services secrets de l'armée. Le père d'Hendrix aussi. Et le père de je ne sais plus qui. Oui, c'est quand même très intéressant que ces trois rockstars ont été les promoteurs de la musique rock de Woodstock, alors que Woodstock a été stimulé et promu par la CIA. Avec les expériences de libération de LSD, etc., pour voir les faits sur le peuple et pour voir si on pouvait manipuler les gens en leur donnant des drogues et quelles drogues. Oui, c'est pas très glorieux pour ceux qui apprécient, enfin glorieux, je sais pas, c'est vexant, enfin c'est gênant. Bah, c'est toute ma jeunesse musicale, hein, globalement. Hein. Donc, quand vous vous rendez compte que vous avez adoré des choses qui ont été produites par des gens qui n'avaient pas votre meilleur avenir comme but, c'est gênant. C'est gênant.
Et je vous dis qu'effectivement, je pense qu'on peut faire confiance au père Jerry Gembald lorsqu'il faisait tourner les disques à l'envers et qu'il disait, écoutez, Stairway to Heaven, ce qui est vraiment dit en subliminal, écoutez à l'envers. En quart, il faut absolument aussi que vous renseigniez sur le reverse speech. Vous prenez les discours d'un homme politique qu'il prononce spontanément, vous les passez à l'envers, et les sujets qu'il a dit à l'endroit sont retraités par sa version à l'envers. Et quand les deux versions correspondent, il a dit la vérité. Mais c'est la vérité qui sort à l'envers. Si je vous dis là, le reverse speech, c'est quoi? C'est « Yes, we can », que vous passez à l'envers et qui donne « Thank you, Satan ». Obama, là. Ouais, vous vous rappelez le nombre de fois qu'il l'a dit et le nombre de fois où la foule a repris ça? Ouais, c'est très intéressant, non? Est-ce que je suis en plein délire? Je ne crois pas, non? Je ne crois pas. Je suis même sûr du contraire. C'est très intéressant de voir que l'inconscient de notre cerveau est là et nous dit la vérité, et dit la vérité autour de nous. Avec une certaine habitude, vous pourriez faire cette traduction, cette inversion de quelqu'un qui parle en direct. Mais sinon, vous servez du logiciel, par exemple, Audacity. Et vous prenez un discours d'un politique ou une interview, parce qu'un discours, ça peut être écrit par quelqu'un d'autre et tout ça. Mais même si c'est écrit par quelqu'un d'autre, le cerveau va arriver à faire des liaisons entre les mots particuliers parce qu'il y a une question de rythmique, il y a plein de paramètres qui rentrent en jeu là. Donc, où en suis-je? Voilà, vous prenez une interview spontanée et vous posez des questions à quelqu'un et puis après, vous vérifiez. Parce qu'en plus, même s'il n'a pas dit la vérité, des fois, il la dévoile. C'est... On est mal, hein? Enfin, nous, ça va. Il y en a deux, trois qui vont être très mal. Pourquoi pas, non? Moi, je dis nous, ça va, parce que je pense qu'on est tous des bavras, hein, des bons gars. Un bon gars, bon chat. Hein? Tout mouillé encore. On reprend. Donc, on perçoit tout ce qu'il y a déjà derrière lui parce que tout ça, c'est un hologramme. Donc, on est capable de voir en trois dimensions. Alors qu'on en voit deux. On peut imaginer la 3D alors qu'on en voit deux. Alors, en quart aussi, nos amis gilets jaunes qui ont perdu un œil pendant les premiers temps, ils vivent vraiment dans une carte postale. Hein. C'est terrible. Ça, vous avez déjà plusieurs traumatismes à gérer. Et en plus, vous êtes maintenant dans un monde en 2D. Vous vivez dans une carte postale. Ce n'est pas très facile de recommencer à conduire et à vivre normalement. Et puis, souvent, il vous faut changer de métier parce que la vie devient assez plus dangereuse pour vous, en fait. Il faut un certain temps avant de s'y refaire, quoi. Parce que le cerveau récupère pas mal de choses. Il vous remet en 3D par la suite. On reprend. Mais bon, plus ou moins bien, plus ou moins facilement, ça dépend de notre... Ça dépend aussi de l'acceptation qu'on a du traumatisme. Si vous boudez, ça marche mal, il faut admettre. C'est comme ce que disait le docteur Hammer. Si un passage de votre vie qui vous bloque, émotionnellement parlant, ça peut vous créer des maladies, voire des cancers, suivant ce qui s'est produit. Et cancers qui seront en relation après avec la qualité de cet événement qui est mal passé. C'est passionnant. On reprend. Alors, les trois dimensions... Enfin, and then the third dimension is depth. Okay. Oui, il y a les deux dimensions de hauteur et largeur et la troisième en profondeur. Donc, dans ce qu'on regarde maintenant qui est un hologramme, qui vous permet, à partir de l'information que vous avez, already seeing what exists, de déterminer ce que vous ne voyez pas. That you can't see. Does that make sense? So that's a hologram. When we look at a Canadian currency, there's a hologram on it. When you look at a credit card, there's a hologram on it. And you can turn the Visa, you can see like a dove or whatever. Les hologrammes que vous avez trouvés sur votre carte de crédit, par exemple, conventional. That's... dont vous voyez. Une représentation qui bouge en 3D alors qu'elle est plate. You're looking at a two-dimensional thing and you're able to see three dimensions. That's all. C'est cette illustration. Hologram. So what happens? L'illustration de ce dont on vient de parler. Hologram viewing is when.
Donc, la vue en hologramme, le viewing en hologramme. You are able to see holograms. And what is a hologram? But it is a disturbance of stillness. So, alors, qu'est-ce qu'un hologramme? C'est une perturbation de stillness, c'est le calme, c'est le, l'immobilité. For example, in a very, very still tank. So, we drop. Donc, dans ce réservoir d'eau très calme, the pebble, où vous jetez un caillou, the waves come at me. Là, il y a une vague qui vient vers lui. We can see by any portion of that tank. Et quel que soit l'endroit de la vague que l'on observe, on peut déterminer tout le reste de ce qui se passe dans le réservoir. How far away that pebble was, where it was in the tank. Yeah. Et juste, il se répète. You know, a lot of things about it. In fact, if we're good enough, we can actually see what the pebble looked like. Et si on est assez bon, on peut même donc déterminer à quoi ressemble le caillou. You go, how can that happen? Well, I'll tell you how that can happen. A bat doesn't have the luxury of eyes that work. What it does is it sends out sonar. Une chauve-souris ne fonctionne pas visuellement tel que on le fait. Ce qu'elle fait, c'est qu'elle envoie une onde sonar. Same thing with dolphins. They send out. La même manière que les dauphins. A beep, and they wait for that echo to come back. Et elle attend que l'écho lui revienne. And there's so much information in that echo. Et il y a tellement d'informations dans cet écho that they can actually see the shape and... qu'elle arrive à voir la forme de l'objet qui a fait interférence à son beep, à son onde sonar qu'elle a émise. The design, the three-dimensionality of whatever it is, this... quelle que soit la forme de l'objet. En général, pour une chauve-souris, c'est donc un moustique. Ou un papillon, ou une enfin, quoi que ce soit, une sauterelle, stalagmites in a cave. Un fruit, un prédateur. By sending out a sound and hearing what comes back, that in itself is a hologram. So, assuming that you know how to perceive a hologram. Donc, en assumant que vous savez comment percevoir un hologramme, then you can, of course, see if the thing that dropped into the. Ça vous permet de voir si la chose que vous avez jetée dans l'eau était un caillou ou... And you'd be able to see the crags and everything like that. Et si c'était un caillou, sa forme, sa configuration. Let me give you another interesting thing about the hologram. Une autre chose intéressante à propos des hologrammes. You realize that that pebble, vous réalisez que ce caillou, by the time it reached you, pendant le temps qu'il vous parvienne, was something that for you, it's past. C'est quelque chose qui, par rapport à vous, était dans le passé. It happened, but the information that got to you. Ça s'est produit et l'information vous arrive. Is in the past, according to that pebble. But guess what it is to you? Donc, it's in the future. Donc, par rapport à vous, vous êtes dans le futur. According to you, because lui étant, par rapport à lui, vous êtes dans le futur. By that time that wave hits you, then you'll. Le temps que l'onde vous parvienne. You'll know that there was a pebble out there, right? Ça vous permet de savoir qu'il y avait un caillou là. So, when it talks about the fifth dimension. Et là, quand on parle de la cinquième dimension. Being able to sense the continuity of time. Qui nous permet de percevoir la continuité du temps. That in itself is a hologram. So, ça, en soi-même, c'est un hologramme. For example, I'm sitting here and there's all these different things that are happening and they create. Par exemple, je suis là, assis, et il y a toutes ces choses qui se produisent alentour. Par exemple, il vient de claquer des doigts. That goes out to the universe. Et ces ondes sonores partent dans l'univers. Ripples. Je traduis. Guess what? It also sends ripples coming back. And when et ça aussi, ça envoie aussi des ondes retour. Hit something, those ripples continue to go out. Quand vous faites ça, cette onde continue à partir. But they also, you can see them as they echo out. Et vous pouvez même la voir alors que l'écho s'éloigne. And that is called the Akashic Records. Any... Et ça, c'est ce qu'on appelle les records akashiques. La bibliothèque akashique, c'est pas le mot. Vous avez compris. J'ai trouvé le mot tout à l'heure et là, il m'échappe. Donc, les choses qui se produisent sur Terre, The universe, dans l'univers, winds up being able for you to see it. I explained it to my children. I call it the Google universe. In fact, so many things in technology mimic the universal. En fait, la phrase, il parle dans tous les sens. Là, c'est la manière dont il explique à ses enfants que dans l'univers, toutes les choses qui se produisent, a light energy that we can perceive. Ont une base d'énergie de lumière que l'on peut percevoir. C'est un petit peu comme lorsqu'on on met un dossier sur le cloud Internet. En fait, ce cloud, c'est quelque chose qui existe dans un bunker en dessous de Santa Fe. Something like that. But they call it the quelque chose comme ça. Cloud, to kind of, I guess maybe in a way, confuse us. Et
une des manières qu'on a d'être confus. Dans notre perception des Akashic Records, et qui nous permet de percevoir quoi que ce soit qui soit produit à n'importe quel moment, non seulement dans notre dimension, mais dans les dimensions parallèles. Parce que toute perturbation énergétique vient rompre l'immobilité universelle. The infinite, unmeasurable, no edges to it. L'incommensurable et infini. Stillness of the tranquillité de l'univers. Universe. And that is how we're able to use holograms to be able to look in the future. Bon, et c'est cette capacité d'utiliser les hologrammes pour voir dans le futur. Look outside of our bodies. Pour voir en dehors de notre corps, oui, essentiellement. Pour sortir de notre corps plutôt. Travel in space, yeah. Et pour voyager dans l'espace et le temps. Time. So, it'll come clear later as you go into this video series a little bit more. Bah, ça sera plus clair plus tard. Bon, je dois dire que là, effectivement, je me rends compte que ma traduction est peut-être un petit peu confuse, ou en tout cas, c'est ces explications qui sont un petit peu confuses. Je pense que ça vaudra la peine qu'on lise sérieusement ces 27 pages. Ça va faire encore une vidéo qui va durer 15 jours. Chapter 13, the part encodes the whole. They're talking about holograms. So if it says, further importance of the fact that even if we dropped our frozen hologram on the ripple pattern on the floor and broke it into a number of pieces, each individual piece would recreate the entire hologram. Bon, il nous répond à la définition d'un hologramme. Graphic image all by itself. The smaller the piece, the fuzzier and more distorted. Donc, en plus, là, c'est pas tant, dans l'exemple, là, c'est pas tant qu'il y a toutes les informations similaires partout, c'est qu'à partir de la situation d'un endroit particulier, on arrive à déterminer la situation de tout le reste. La situation, la forme, etc. That would be this resulting holographic projection, but the fact remains that a whole projection would nonetheless be made. Like I told you, when you take any little shard of this shattered still pond, you can still see that there was a wave, the shape of the wave, the direction of the wave, was it coming at us, or were we the one that sent the wave out? And how far away was that when that happened? All of that stuff is part of the hologram. And if we can have access to this little part of the hologram, voilà. Bon ben, then we can see the entire universe. Si on arrive à percevoir correctement un petit bout de l'hologramme, on peut concevoir tout le reste de l'univers. Because we're able to access any of those waves. Now, this is really, really hard. Alors, c'est vraiment très difficile. For us to understand if we rely on our five dimensions. So let's just à comprendre si on n'en reste qu'à nos cinq sens. Put that all away. Let's just suspend our left brain logical thought and let me take. Donc, l'essentiel, c'est de suspendre le bruit, on va dire, de l'hémisphère gauche, analytique, pour laisser travailler la droite. Et ça va être poursuivi dans la quatrième partie que je n'ai pas encore prise. Donc, je vais faire une petite pause et puis on va s'occuper aussi del gatto, hein. Parce que voilà. Eh oui. À tout de suite. Et voilà, il s'avère qu'il n'a pas encore fait la quatrième partie, mais bon, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? On va attendre un petit peu. De toute façon, là, on en sait déjà plus ou moins passé, hein, pour s'intéresser à la chose ou pas. Donc, de toute manière, sous la vidéo, vous avez les liens avec ces trois adresses de vidéo, puisqu'elle est en trois parties, et le PDF issu de la CIA. Alors, pour une fois que c'est la CIA qui nous donne quelque chose. Bon. Moi, je vous dis, hein, je ne pense pas que ce soit de la désinformation. Par contre, de la même manière qu'il l'a dit, il manque des trucs. Il manque des trucs sur la pinéale, il manque des trucs, il manque deux, trois trucs. Oui, évidemment. Hein. De toute façon, elle fait ce qu'elle veut, la CIA. Je vous dis, il y a même des dossiers qu'elle refuse d'admettre qu'elle les a. Elle dit, ça n'existe pas, votre truc. Voir les conférences de Stephen Greer. Projet Unacknowledged Project. Un truc dans le genre. Projets qui ne sont pas reconnus comme existants. Donc, je vous remercie d'avoir vu ça.
C'est, on va dire, une petite vidéo de à placer dans le décor. Moi, j'ai du mal à mâcher un grain de raisin. Je ne veux pas m'étouffer avec. Dans le décor de l'expérience qu'on fera avec le Remote View du Foresight Institute, probablement le 1er décembre. C'est-à-dire que nous sommes le 27 novembre 2020. Je précise pour les archéologues du futur. Et dans 3 jours, oui, il vous reste 3 jours pour vous mettre au point au niveau de la méditation. Voilà. Oh les cœurs! À très bientôt. Salut.